Ultimate is ready. Awesome. The bomb has been defused. All locations secured. Maintain current posture. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode des Sportifs du Clavier. Bonsoir tout le monde à la maison. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Sportifs du Clavier. Laissez-moi enlever ce merveilleux casque de VR que j'ai dans la face en ce moment. Je voulais me péter les bretelles. Bon, hein? Oh, faudrait que je débute mes gars. Salut les gars! What's up? Comment allez-vous? Ça va bien. Je pense qu'on peut te dire qu'on a eu une grosse semaine. Une énorme semaine. Hey, sérieusement, je me suis acheté ce bidule-là cette semaine et c'est merveilleux. C'est tellement le fun de pouvoir écouter Twitch couché dans son lit pendant que sa blonde dort sans la déranger. Là. Oh, donc c'est bien. J'avais pas pensé à ça. Écoute, je suis couché. ma blonde n'arrête pas de chialer, genre que je me couche pas en même temps qu'elle. Fait que là, je me suis couché en même temps, j'avais mon casque de réalité virtuelle dans la face, mes écouteurs, j'avais Twitch qui jouait pendant qu'elle dormait. C'est merveilleux ce bidule. Pour vrai, bienvenue aux Sportifs du Clavier. Non, on n'est pas les sportifs de la réalité virtuelle, ne vous inquiétez pas. On a essayé avec Pokémon, ça a pas marché fort. Fait que on revient à notre... notre sujet principal, si on veut dire ainsi. Le e-sports, on est un des seuls, si ce n'est pas le seul podcast au Québec à jaser d'e-sports, et on est fiers de vous amener des nouvelles comme ça à chaque semaine. Mais bon, cesse de nous péter les bretelles. Laissez-moi vous présenter mes fidèles collaborateurs cette semaine, en commençant par mon seul et unique, mon cher co-animateur qui est là depuis les tout débuts, depuis presque maintenant 365 jours. On approche du 1 an. Cook, salut. What's up? Vous allez bien? Ça va bien, toi? Ben, comme j'expliquais tantôt, grosse semaine. Je suis content qu'elle achève, rentrer à l'école. C'est rough. Ouais. Ouais, les demandes des professeurs qui arrêtent pas de cumuler, pis que t'as toujours la, pas de différence, qui t'accroche pis t'as dit, ah, la petite tache de peinture, juste là, de grosseur d'une tête d'épingle, là, j'aimerais ça qu'elle disparaisse. J'ai vraiment d'autres choses à faire que ça. Non. Réponds à tous les besoins des matantes et mon oncle, professeur du Québec, Cook. Je suis pas capable! C'est drôle parce que je viens de traiter Mr. D de mon oncle, là. C'est vraiment drôle. Oui, effectivement. Ben, je suis sûr que Mr. D. Quelqu'un comme... fait un clip de ça vite! Mr. D, c'est un mon oncle cool, par contre, tu sais. Ouais. Ah, good call. C'est un jeune mon oncle. C'est bien rattrapé, c'est bon. Merci. Cadium! Hey! Comment vas-tu, cher ami? Ah, bof, tu sais. Bof, je sais. Oui, je sais. Effectivement, je sais, mais je pense qu'on ne voulons pas rentrer dans les détails, tu non, sais. Bof, virgule, tu sais. OK. Ben, c'est ça. Moi, je suis un fidèle collaborateur qui n'est pas là depuis tout à fait un an, puis je suis de la merde. Vraiment court, c'est ça. Mon merveilleux collaborateur qui est là depuis le tout début. Fuck you, Cadium. Fuck you, Karen. C'est ça, j'en veux un char, c'est l'out. Je suis Cadi. Tu te laques à ce soir, là? Ouais, ben oui. Tu te calmes? On va commencer tout de suite. Non, écoute, grosse semaine, la rentrée moi aussi, mais pas du même bord que Cook. La rentrée de mes propres filles, ben, de ma grande, en deuxième année. Avec la nouvelle philosophie, tu sais, il y a de plus en plus d'études. Je fais une parenthèse, on est loin du e-sport, on n'est même pas dans le gaming. De plus en plus d'études qui démontrent l'inutilité profonde des devoirs et des travaux à la maison versus les activités faites à l'école. La professeure de ma fille n'est pas vraiment une participante de ce nouveau courant. Tel que bien reçu dans le derrière avec une page pleine de devoirs. Comment on est-ce qu'ils ont 7 ans? T'as fait moins ça à dire, elle n'a pas comme 7 et 9 ans? Là. Elle a 7.
Ouais, mais l'autre a 9, non? Non, ma plus vieille, elle a 7. Ah, Ma pour plus vrai? jeune, elle a 3. Oh my god. Non, elle est en deuxième année, elle vient de rentrer. Ok. Puis, ça rentre solide. Et c'est, on se crée à l'université, là. Elle a des lectures, puis tout. Puis il faut qu'elle prépare la matière du lendemain. Puis, OK, attends, là. C'est parce que. C'est un enfant, hein? C'est un C'est enfant. ouais, deuxième La année saison de encore, soccer n'est là. même pas finie encore. On va-tu, comme. Hey, Se calmer non. ses devoirs, là, je veux Non, non, dire. l'école, l'éducation, c'est important. Faut que tu éduques Mactation, ta fille. Fuck Ouais, le mais je suis obligé soccer. de l'éduquer 24 heures sur Non, 24. non, non, c'est sûr que c'est Parce ridicule. que là, on est en train de penser à bouger l'heure du dodo parce qu'elle a trop de Et devoirs, t'as là. paru où à ce point-là? Ben, on n'a pas le temps, là. Je suis désolé. Wow. Ma blonde, ben, vous le savez, ma blonde travaille Oui. de nuit. Elle se lève à 3h30 le soir. Elle va chercher la plus jeune. Elle accueille la plus vieille. Part le souper en faisant les devoirs. Moi, je ne reviens pas à la maison avant 6h, 6h30. Ainsi de suite. Fais les sportifs Puis du là, les clavier. jeudis, fais les sportifs du clavier. J'ai pas le temps de faire les devoirs. C'est en train de péter mon couple. C'est en train de péter ma famille. Tout ça à cause des sportifs du clavier. Moi, en tout cas, faut qu'on se parle, là. Parce que. Bon, ben, coudonc, merci Cadium d'avoir été parmi nous ce soir. On va se Bye. revoir. Et finalement, mais non le moindre, Terran, maudit, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, ça va, hein? Ah, ben, moi, des temps libres, j'ai pas d'enfant, fait que ça va mieux. Ouais, Non, je comprends. toi, à la place, tu te pètes les bretelles en me pétant la gueule à Little Mermaid. C'est-tu mon sale que t'as parti un trend? Ouais, je sais. Là, Ben, c'est c'est. genre tout le monde doit battre le PB de Max Beaulieu, qui est pourtant pas si bon que ça. C'est une nouvelle catégorie, hein? C'est de ça qu'on parlait hier, sub Max Beaulieu. Ouais, je pense qu'on va faire comme Any Max Beaulieu. Ouais, any Any person person beat Max Max Beaulieu Beaulieu, blessé. genre. C'est excellent, ça. Non, mais tu Ouais, sais. mais oui. Non, mais tu sais, à un moment donné. Ça... Ben, c'est ça. Non, ben, écoute, faut donner crédit à M. G-Unit qui me tente, il me tease avec ça en me disant, écoute, tu sais, j'aimerais savoir des Québécois sur le leaderboard de Little Mermaid. Je dis, OK, c'est beau. Mais. Là, je me suis dit, je vais pas juste faire le jeu. Oui, avec une question ou... Oui. Non, mais je veux dire, tu peux finir ce que tu disais, mais j'ai une anecdote après. OK. Puis, c'est justement, ça en est venu. Moi, j'y vais par objectif. Je voyais le classement. Je dis, OK, Max Beaulieu, il est là. Max Beaulieu, il est là. Faut que je le batte. Faut que je le batte, c'est sûr. Mais je ne m'attendais pas faire des streams comme ça, que les gens embarquent, puis viennent me voir, puis disent, OK, ah ouais, vas-y, t'es capable de l'avoir, t'es capable de l'avoir. Puis le monde se dit, ah, à force de te regarder jouer, on va le faire, moi aussi, je vais le faire la Ah. semaine Moi, d'après. Ah, ben lui, puis lui, puis lui, Little Mermaid, Little Mermaid, Little Mermaid. je suis même pas sub 8. Il y a comme aucun mérite à me battre. Ben oui, parce que Le tu fais sub record 8, du là. monde, c'est pas sub 8, C'est sub justement. 7. C'est sub J'ai de 6. réussir à faire Oh oui. 6,50 quelques, là. 6,57, 6, genre, ouais. 6,56. Quelque chose de même. Ouais. Puis le monde disait que sub 7 allait être quasiment impossible et J'ai de eu. Mais non, Puis moi, il y a certains qui peuvent descendre plus bas, ouais. d'ailleurs, de Moi, je quelques suis secondes. 8. 15, me semble. Mais Mais 15, ouais. c'est de la merde. Non, Ben, ben pas 8, tant, là. 14, mais non, je te C'est dirais, c'est bon. standard. C'est ça. C'est dans la base. J'étais top 15 jusqu'à temps que tout le monde décide de faire comme on va battre Max Beaulieu. Je suis rendu top 30. J'ai une qui dit qu'il recrute. Stigolis. Moi, Excellent. je m'en retourne sur ma VR. Fuck y'all. Ben écoute. Écoute, un peu les anecdotes parce que j'ai tellement entraîné ce jeu-là que finalement j'ai été battre. Il y avait Dracula, s'il Oui. m'a speedrunné, qui a battu mon premier deuxième temps. Je le bats. Dans la même soirée, j'avais deux objectifs. Battre Dracula, battre Zero Lag Gaming. Dans la même Oh. soirée, je les ai battus les deux. Ah, mais good job. Ah, bah ouais. Yes. Nice Good job. job. Good job. Sinon, quoi de neuf dans ta semaine? Le speedrunning. Speedrunning, travail, puis le speedrunning. Le streaming, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui, J'ai commencé effectivement. à faire énormément de streaming sur des jeux différents. Nice. Je teste quelques jeux. Des fois, c'est attirant, des fois, c'est moins attirant. J'ai commencé à découvrir Binding of Isaac Oui. après 8 ans en retard de live du jeu. Live, J'ai pretty même pas much. joué encore. Non? Je te dis, honnêtement, C'est vraiment le fun. oui, c'est le fun. C'est Un au gros jeu. début. T'es pas sûr, tu sais pas trop ce qui se passe, tu deviens habitué, mais t'as le goût de terminer, de faire le tour au moins une fois du jeu. C'est arrivé hier, et, là, on va voir si ça va. Si je vais continuer un peu du streaming aussi, le speedrun, je parle. Là, j'ai commencé à apprendre Super Punch-Out aussi. Ah, Et ok. ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a C'est pas ça.
Non, non, c'est un jeu qui est quand même assez rough. Si je peux m'insérer, là, j'ai pris vos... non, s'il vous plaît! J'ai pris vos pas vos PB, mais vos vidéos, anecdotes. On retourne dans mon jeune temps. J'avais à peu près 12 ou 13 ans. Y a un de mes amis qui était... Qui speedrunnait probablement avant que le speedrun soit a thing, s'était fait un malin plaisir de faire la petite sirène sub 10 minutes. Mais genre, dans le temps, il n'y avait pas de compteur. On chronométrait ça avec nos montres dans le temps, les premières montres digitales. Puis, dans le temps que les montres existaient. Dans le temps que les montres ont commencé à exister, je te le dis, c'est ça. Il faisait une marque. Directement de Suisse. Il faisait une marque sur son petit écran, genre, pour être sûr de se rappeler l'aiguille était où. Tu sais. C'est ça. 1, 2, 3, 4, puis là, une barre pour 5. Puis là, on continue comme ça sur le mur. En tout cas, sa mère est en tabarnak. Je vais envoyer vos vidéos. Puis j'ai redonné le goût de recommencer. Est-ce que c'est lui que j'ai vu sur Facebook te taguer? Avec une bière et l'image de Little Mermaid sur la télé. Exact, c'est lui. Je l'ai comme poussé à revenir vers le côté sombre de la petite sirène. Fait que vous allez peut-être éventuellement avoir un autre Québécois sur le leaderboard parce que c'est pas le genre de gars qui va turn down un défi. A new challenger approach! Voilà. Nice. Et lui, il y avait 13, je pense, 12 ou 13, puis il faisait ça 10 minutes. Il est clairement capable d'aller chercher des bons. C'est facile de faire sub 8 avec un petit peu de pratique. Très facile. Parle-nous en don. Ben oui, j'ai pas de pratique. Là, Chris, c'était ma quatrième run, je pense, ce PB-là. Puis le pire, c'est que je l'ai jamais fait. La seule fois que je l'ai fait au complet, quasiment, c'est celui-là. Je l'ai fait comme une autre fois avant au complet, sans mourir. Mais sinon, à chaque fois que je mourais, je faisais un reset parce que j'étais en crise. Genre, j'ai pas de patience pour ce genre d'affaires-là. Moi, speedrunner, je suis pas capable. Parce que j'ai pas de patience, ça prend trop de... Non, c'est ça. C'est pour ça que ça me prend des jeux, moi aussi, là, ça m'affaire. Fait que c'est pour ça que Little Mermaid, à 8 minutes à peu près, j'étais comme, ok, ça va. Mais, même là, je mourais, mettons, où je savais que j'avais réussi, mettons, à... J'arrivais, aux eels, ou aux morses qui me donnaient un genre d'RNG de marde, je perdais patience, puis je lui sautais de suite. Tu sais, genre... Un fucking coquillage sur quatre, là? Non, fuck you, c'est une morsale. Mais non, oui, on n'est pas ici pour parler de speedrun de Little Mermaid. Je pense que je vais me fâcher. Ça va être un prochain épisode de genre, de hors-jeu, genre, le speedrun de Little Mermaid, puis comment se frustrer. Mais bon. Nouvelles. On va y aller tout de suite dans les nouvelles. J'ai trois petites nouvelles pour vous. En fait, deux d'ordre général. Trois d'ordre général, en fait. Oubliez pas notre party d'anniversaire le 22 septembre au Meltdown de Montréal. Ça, là, c'est dans 3 semaines. Ouais. Wow. Yes. Ouais. Ça va être insane. Ouais. On essaye de vous ramasser des joueurs, des cosplayers et cosplayers d'un petit peu de la région de Montréal. Il va y avoir des prix à gagner, on va vous donner des chandails, on a des chandails. Ah. Yes, on va avoir du stock, on va avoir du beau petit stock pour vous autres à essayer de tirer puis de gorocher dans la foule au courant de la soirée. Ça risque d'être le fun, on va avoir des drinks faits spécialement pour nous, en plus, des drinks custom. J'ai parlé avec le propriétaire de la place, il est super hype. Puis, on a 3 drinks spéciales qui s'en viennent. On a le Cadium on the Rocks, en 2 versions. On a le Cadium on the Rocks ou le Salty Cadium. On va avoir le duel Les Sportifs du Clavier, qui est 2 shooters, un rouge, un bleu. Pas besoin de vous expliquer pourquoi rouge et bleu, hein? Et on a le... Point d'interrogation. Je vous en dis pas plus. J'étais déjà surpris que t'aies spoil. Je me demandais si t'allais spoiler le dernier. Ben oui. Ben oui. Faut créer un hype. Puis là, il va y avoir des photos qui vont venir. Puis tout. Ah oui, là, c'est sûr qu'il va y avoir 100 personnes qui vont venir boire un Cadium on the Rocks. C'est sûr. C'est, écoute, puis si vous en prenez un, faut aller prendre une photo avec Cadium. Ah oui, vous avez c'est pas clair, le choix. N'est-ce pas? Tu sais, pour qu'en fin de soirée, soit rendu salty en crise. Écoute.
Non, mais pour vrai, on espère vous voir en grand nombre. On espère pas être là, les cinq, genre, tata, tout seul, là-bas, au bar, avec Pierre, le propriétaire, à boire, pas à célébrer. Yeah. Non, best promo aîné. Ça serait excellent. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Hey, on a réussi à être 30 pour ma fête, puis me sortir en ambulance. On est capable d'être plus que ça pour les sportifs, petit. Il va falloir que tu... Il va falloir qu'on batte le hype de cet épisode-là, d'ailleurs. Oui, mais je vais sortir... qu'on le fasse décoller en hélicoptère. Non, je vais sortir à pied, par contre. Tu vas sortir à pied, oui. Ouais, je travaille le lendemain et j'aimerais ça me rendre au travail. Sinon... Ce qui est extrêmement drôle, c'est que ma blonde est dans le chat et elle s'en souvient parce qu'on était au Nexus ce soir-là, tous les deux. Ta blonde était là? Oui, ma blonde était là. Ouais, je me rappelle juste... C'est le seul souvenir qu'elle a de toi, d'ailleurs. C'est excellent, j'adore ça. Je suis pas comme ça tout le temps. Le Max Beaulieu, un mix d'alcool que personne connaît, Jeeb. Ouais, ouais, j'aime ça. Je pense que ça va être vraiment une description unknown sur la feuille. Genre. Oh wow, j'aime ça. Non, mais pour vrai, soyez là, ça va être vraiment cool. On a aussi un autre événement qui s'en vient la semaine d'avant. Okay. En fait, quelques jours avant. Quelques jours avant, là, ouais. Dimanche, le 18 septembre, commencera au Nexus Smart Bar en collaboration avec... My God, qu'est-ce que c'est ça, ce logo-là? Logo inconnu, je m'excuse. Nexus Smart Bar et Fédération du Sport du Québec. Hey, je sais pas c'est quoi. Hey, wow, mais c'est quoi ça? Au début, je pensais que c'était Psyonix, mais c'est pas ça pantoute. Wow, mais bon. Une ligue de Rocket League qui aura lieu... Vous savez combien de temps qu'il y a, diable? Qu'est-ce qui se passe? Qui aura lieu à tous les mois au Nexus Smart Bar, animé par nous. On va se relayer les animations, vraiment. Excuse-moi, je dis pas si t'es censé une chronique sérieuse ou une annonce sérieuse, là, ben... Ah, ben ouais! Hey, c'est Diamond Gaming. Ah oui! Je sais pas, moi, je les connais pas. Whatever! Ok, 10$, ça coûte 10$ par joueur. Votre prix d'entrée inclut une consommation gratuite. Probablement qu'il y a un prix limite, là, vous pouvez pas prendre la consommation à 300$, on s'entend. Et il y a un price pool de 500$ à chaque mois qui est remis. 320, 120 et 60$ pour les trois premières positions. C'est du 3v3 sur console. Donc oui, vous jouez split screen. Venez pas me faire chier avec split screen, c'est de la merde. Si vous êtes bon à Rocket League, vous êtes bon sur n'importe quel type d'écran. C'est juste le field of view qu'il va falloir que vous vous habituez. Ok, là? Et de toute façon, vous avez juste à arriver un tout petit peu plus tôt, vous installez, vous settez vos affaires, vous trouvez un field of view qui est confortable pour et, vous autres. Oui, et le 11, ça, on l'avait jamais fait. Le 11, on va faire une pratique probablement là-bas, au Nexus, voir comment ça va et tout. Donc... Venez nous voir, ça va être cool. On va être là 3-4 membres à chaque mois à faire la commentation et l'animation de foule là-bas. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Vous l'avez vu comment qu'on part sur un rien. Donc, donc voilà, donc je vous le rappelle, le 18 septembre, ça commence, ça va être à chaque mois. 10$ l'entrée, 3v3 et un price pool de 500$. Et c'est Random Seed, donc c'est pas nous qui fait les groupes. Fait que même si vous êtes des scrubs Rising Star, vous pouvez peut-être vous rendre jusqu'en finale. On sait pas si toutes les bonnes équipes sont du même bord. Des scrubs Rising Star, vraiment? Ben c'est pas Rising Star. C'est quoi le plus bas de bord? C'est Challenger. Pas Challenger, mais... Voir que j'ai oublié ça. Ben oui! Hey, c'est quoi cette soirée-là? On oublie tous les rankings, pour vrai, là? Ben oui! Les noms d'équipes, les rankings. Mais... Prospect, merci. Ah, Prospect! Ben oui, Rising Star, ouais, c'est en haut. C'est vrai. Oui, Rising Star, c'est assez haut. Si vous êtes Même si vous êtes Prospect... Ben, si vous êtes toutes, vous pouvez peut-être vous rendre loin dans le tournoi, fait que ça vaut la peine de venir. Dernière nouvelle, Jean de la région de Québec, réjouissez-vous. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'annonce d'une ouverture d'un resto-bar e-sports, le Level Up, ou le Level OP, mais on va l'appeler le Level Up. Mm-hmm. Eh bien, dernièrement, il y a quelques jours même, on a eu une nouvelle annonce, le Meltdown e-sports bar va ouvrir une succursale à Québec. Ouais.
Donc, Jade de Québec, Jide, je te regarde particulièrement. Réjouissez-vous. Et les sportifs que vous l'aviez, on va peut-être être à l'ouverture. En fait, certains membres vont peut-être être à l'ouverture du Meltdown. L'invitation m'a été lancée, donc on va voir, on va s'en jaser, parce que ça m'a été lancé genre 10 minutes avant le show. Donc, c'était un peu dur à en parler. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles. On va s'en aller tout de suite dans le vif du sujet avec Terran qui, je m'excuse, je n'ai pas terminé son nouveau jingle encore. Tellement occupé. Donc, non, j'ai pas de date. Je n'ai pas de date. C'est pas vrai, j'ai la date, mais j'ai pas le droit de la dire. Bon, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Des problèmes dans des ouvertures comme ça, ça arrive toujours. Donc, une fois que la date va être officielle, je vais pouvoir la divulguer. Mais d'ici là, je vais laisser à l'équipe du Meltdown Québec d'en faire leur propre annonce. J'ai le goût de garder une bonne relation avec les gens là-bas. Est-ce qu'ils ont déjà un Facebook, quelque chose? Je ne crois pas, non. Il faudrait voir. En fait, oui. Oui, il y en a un. Je vais le linker, je m'en occupe. Très bonne idée. Donc, Terran, 2034. Terran, 2034. Ah, j'aurais pu mettre, vu que tu fais Super Punch-Out, j'aurais pu mettre le thème de Super Punch-Out ou quelque chose. Comment je me rappelle encore de ça? Hey, wow. C'est parce que c'était un thème qui est excellent. C'est légendaire. Je veux dire... À un moment donné, quand tu te rappelles, quand t'as un jeu de cette qualité-là, faut que tu te rappelles du thème. Wow. Alright, mais faire attention parce que là, on va se faire claimer de copyright puis muter puis tout le kit là. Colline d'affaires. Puis je suis même pas en train de recorder l'émission. Check bien si on se fait pas flag pour mute. Puis là, l'épisode va être mute sur YouTube. Ça va être de la merde. Ah ouais. Terran! Yes! Salut! Salut! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Fait que t'as des nouvelles qui datent. Qui datent, oui et non. Tu dates d'une couple de semaines. Ouais. DreamHack Montréal. Il y a eu des belles compétitions dans le monde du jeu de combat. Yeah. Tu voulais nous en parler un petit peu? Je voulais vous en parler un petit peu. Ben, c'était plus au niveau des résultats. Yes. Parce que je vais commencer avec Monsieur Street Fighter. On sait tous. Écoute, Max, j'ai une question pour toi. Devine donc qui c'est qui a gagné Street Fighter. Je suis sûr que tu prends. Je pense que tu gages 5 millions de dollars puis tu deviens riche. Je vais faire un wild guess, là. Je pense qu'on l'a déjà reçu sur le show. Champion du LAN ETS. Champion canadien et maintenant champion de DreamHack Montréal, Charity. Exactement. Je suis une machine. Tu es une machine, mon cher. Encore une fois, hein, on peut pas vraiment faire autrement que la domination canadienne de Monsieur Charity. Hein. Mais bon, écoute, j'ai su dernièrement, écoute, c'est pas pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Charity est tombé et rendu en couple maintenant. Fait que là, je me dis, est-ce que c'est dangereux pour lui? Non, c'est pas nécessairement. Mais s'il y a des compétiteurs qui veulent le débarquer de son titre, dites-vous qu'il y a peut-être moins de temps pour s'entraîner maintenant. C'est le temps, là. C'est le temps d'aller y enlever sa place, là. La Canada Cup qui s'en vient au mois d'octobre. Les potins gamers. Ah oui. Ouais. Il est obligé de faire du Netflix and chill, la star. Ben, c'est ça. Du fighting, oublie ça. Puis de temps pour ça, là. Temps, là. Travail, blonde dodo, fini. Là. Travail, blonde dodo, ouais. Ah, ben c'est ça, parce qu'il y a la Canada Cup qui s'en vient au mois d'octobre, à Toronto. On va voir, de toute façon. Ben, écoutez, on sait bien avec l'Amérique du Nord et les Américains qui vont très, très, très bien venir se pointer là-bas. Ça va être du gros défi. Le deuxième tournoi qu'il y avait, du Smash Melee. Il n'y avait pas du Smash Wii U, mais il y avait quand même du Smash Melee. C'est Ryan Ford. Ryan Ford, le Torontois, qui a gagné. Et. Cook et moi, on a pu voir ce monsieur Ryan Ford pendant qu'on était en train de regarder le tournoi d'Hearthstone. Oui, on regarde ça du Hearthstone, du RNG Stone, comme disait Cadium. Ça, j'ai bien aimé comment il l'avait appelé. Pay to win Stone. Va falloir qu'on se parle.
pour définir le pay to win. Ben, peut-être pas en compétition, peut-être pas en compétition, mais ce jeu-là, c'est du pay to win. À part si t'es en arena. Oui. Si tu mets plus d'argent, si tu mets plus d'argent que ton compétiteur, t'as plus de chances de gagner. Non. Ok, oui. Je suis pas d'accord. T'as plus de chances d'avoir les meilleures cartes? Non. Non. Ben oui. Si je m'achète 5... Tu vas les avoir. Non, non, je m'excuse. Si je m'achète 500 decks, j'ai plus de chances d'avoir les cartes que mon compétiteur qui paye rien. Tu vas les avoir plus vite. Oui. Yes. Yes. Je suis mon bord. Mais ça te donne plus de chances de gagner. Ben, à court terme, oui. Mais ben voilà. Ben, c'est pas pay to win. C'est la même chose. Pay to win. Attends. Pay to win, c'est si une carte 8-8, tu pouvais payer pour en avoir une 9-9. Exactement la même. Pay to win, ça veut dire pay pour avoir un edge. Là, t'as pas un edge. T'as un edge rapidement parce que quand une expansion sort, tu peux avoir toutes les cartes super rapidement puis te bâtir un deck. Mais si 1500 personnes font ça, vous êtes quand même à armes égales. Ouais, non, mais ça te donne quand même un avantage. Dans une courte durée. Là. C'est exactement comme à League. Tu peux payer pour arriver level 30 plus vite, mais t'as pas un edge sur tes adversaires. C'est pas pay to win. Dans cette optique-là, je pense que je suis d'accord. Tu serais obligé de réétablir. Non, mais dans cette optique-là, je suis un peu d'accord. Moi, le meilleur exemple que j'ai pour le pay to win, c'est World of Tanks, où est-ce que tu payes pour avoir des munitions qui font plus de dégâts. Exactement. Ça, c'est un pay to win. Oui, ok. Mais ça reste fucking RNG Stone, sorry. Oui, ça oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça oui. Mais ouais, ouais, non, c'est mais ça. C'est ça, ce que je dis en tournoi, c'est pas pay to win, non. Mais je trouve que, genre, dans le normal, oui. Mais en tout cas. Non, parce que je te dirais que celui qui a gagné, il avait pas toutes les cartes en or. Puis si on s'en rappelle, Cook, celle qui jouait, c'est une fille qui est arrivée sur deuxième. Toutes ses cartes étaient en or. Je peux me dire, on n'en revenait pas. On voyait tous ses decks. On était là. Non, ouais. Il y a donc bien du doré là-dedans. Je me rappelle d'un booster que j'ai ouvert dans Hearthstone qui avait genre 4 ou 5 cartes dorées. Ouais. Ok. Ouais, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Fait que pour revenir sur Smash, oui. Parce qu'on était parti sur Smash. Effectivement. C'est de ça qu'on parle, right? Oui, oui. C'est de ça qu'on parlait. Hein? Non, mais Ryan Ford, si tu te rappelles, Cook, dans son tournoi, qui était en finale, si je me rappelle bien, c'était en finale, il y avait, malheureusement, je ne me rappelle plus son deuxième personnage, si c'était Sheik, mais il sortait Ganondorf, OK? Pour ceux qui connaissent Smash, Ganondorf, personnage très lent, mais qui frappe extrêmement fort. Et je peux vous dire que ce Ganondorf-là était très puissant. C'était incroyable de savoir. Puis même Cook était là, on se regardait, on disait, OK, wow. Le timing... pas de simplement faire des moves inutiles, des mouvements inutiles, des coups pour tenter de... Non, c'était vraiment au point, à frame, il savait exactement, attendait, on croirait Street Fighter, là, il attendait simplement le bon coup au bon moment, c'était vraiment, on voyait vraiment le professionnalisme, et c'est justement lui, Monsieur Ryan Ford, qui a gagné le tournoi. Fait que t'es en train de me dire qu'il faisait pas comme les astis joueurs de Pikachu. Un peu non, ça. Ben. Courir de tout bord, de tout côté. Ou des Fox Amélie. Ben ça. Aussi, genre de faire les maudits blinks pour rien tout le temps. Hey, colis. Je fais ça, je mets bouclier. Je bouclier, je grab. Ah, les shines, pas les blinks, mais les shines, ouais. Là, c'est Fox à un moment donné, tu t'apprends un petit peu rapidement les mêmes tactiques. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parfait. Ben là, c'est ça un peu pour la DreamHack. Il n'y a pas tant de tournois de jeux de combat. Mais bon, ça a été très divertissant. Ça a été bien agréable. Un petit peu de lacune, par exemple, au niveau de Street Fighter. Je sais pas si vous vous rappelez ceux qui l'ont vu. Hein? Je me rappelle, je voulais aller voir le tournoi Street Fighter sur la grande écran. On y va. Puis tout ce qu'il y avait, c'est tu avais le jeu de Street Fighter, mais avec le son de Smash Bros. En arrière. Ouais. Puis le monde n'était pas dans les estrades, il était en arrière des écrans, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les je comprends événements. Que c'est très accessible aussi. Ça, non, mais je comprends que c'est, même si c'est coutume de se passer comme ça, je comprenais juste pas l'utilité d'avoir un stage qui était même pas capable d'avoir le son du jeu. Je suis comme, ouais, okay, il fallait juste changer d'image dans le pays parce que les estrades étaient vides. On en a parlé la semaine passée, les problèmes techniques du DreamHack, il y en a eu énormément. Et ça, on a, en ce moment, c'est la Northern Arena qui a commencé déjà, là, ça a commencé aujourd'hui. Et les problèmes techniques à la Northern Arena sont très présents. D'accord. Je sais pas si c'est des problèmes de réseau, vu que c'est Bell, dans un sens, ça m'étonnerait quasiment pas. Mais il y a des gros problèmes techniques aussi à la Northern Arena. Donc, ça fait partie de la game, comme on dit. Bon, parfait. Allez, on va aller un petit peu plus vite. Le 11 ou 14 août, il y a eu le Super Smash Con.
en Virginie. Ça, c'est vraiment un tournoi juste de Smash. Toutes les Smash, 64, Melee, Brawl, name it. C'était vraiment ça où ça allait. Ben, tout le monde se rencontrait, les joueurs. Et puis, il y avait. Moi, principalement, ce que je me suis intéressé à Smash Melee, le retour de M. Mango. Mango qui a gagné le tournoi, mesdames et messieurs. On avait le gagnant de l'Evo qui était Hungry Box. Ben, il a fini deuxième. Donc, Mango a sûrement sorti son skill de tatou, je sais pas trop, invocation. Est-ce qu'il a joué Mart? Il a joué Mart, il me semble que oui. Parce que je me rappelle à l'événement à Toronto. Mart, non, Mango, non, ça c'est Mewtwo qui joue. Non, mais à Toronto, oui. Mango avait sorti Mart en finale, le dernier match, puis ça avait fait un... Ça avait surpris tout le monde parce que oui, on est comme habitué de voir... Ben, on sait que Mango est un gros joueur de Mart quand même, mais on est habitué de le voir sur les... ses champions plus habituels en tournoi, et là, ben, il avait décidé de sortir Mart, et ça avait fait une grosse surprise. Fait que je me demandais s'il l'avait fait, s'il avait refait l'audace. Non, il a pas refait l'audace. D'après moi, il voulait gagner. Non, mais je blague, mais il a sorti son fameux Fox Falco, là. Classique. Mais notre ami Hungry Box de l'Evo avec son Jigglypuff. Fini deuxième quand même. C'est honorable quand même. Bon, ensuite pour le Smash Wii U. Certains Nero qui a gagné. C'est-tu Nero qui a été pick dernièrement par une équipe professionnelle en plus, par une organisation? Et quand est-ce qu'il a embarqué pour son équipe professionnelle? Je me rappelle plus la date. Non, c'était pas Nero, excuse-moi. Parce que après l'annonce de qu'on a dit la semaine passée là, avec Cloud9 et notre ami Ally, il y a un autre joueur Je me rappelle plus. Mais whatever, il y avait un autre joueur aussi là, qui a rejoint une grosse équipe il n'y a pas longtemps. Fait que c'est le fun, les joueurs de Wii U commencent enfin à se faire remarquer. Oui, il y a de plus en plus d'équipes qui vont chercher des joueurs de Smash, même un peu plus de Street aussi, mais le Smash, ça se développe. Mais je voulais en venir aussi par rapport à Smash Wii U, c'est que il y avait des Québécois là-bas, Québécoises aussi, Ally, et puis Supergirl Kells aussi qui était là-bas. Écoute, ça s'est bien passé pour Ally quand même, fini cinquième, hein, un Mario qui finit cinquième quand même, qu'on a des discussions sur Twitter à savoir, ah ben je pense qu'il est neuvième dans le top tier ou des choses comme ça, ça se lance des classements, fini cinquième pour un Québécois, surtout avec le talent qu'on sait qu'il y a sur Smash, moi je trouve ça très bon. Si t'es bon avec un bonhomme, t'es bon. Comment t'as dit? Si t'es bon avec un bonhomme, t'es bon. Ah! Écoute, son Mario, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Le mec est vraiment, vraiment beau à voir avec son Mario. Ça paraît qu'il connaît. Yes. Il ne connaît pas les frames par cœur. Supergirl, c'est même moins bien passé, malheureusement. 33e, mais quand même, faut dire que, comme j'ai dit tantôt, avec le talent qu'il y a en Amérique du Nord. Mais au moins, regarde, je vais switcher sur le deuxième tournoi, vous allez voir. Ça a changé un petit peu pour elle. Parce qu'il y a eu la chaîne en 2016, qui était à Boston. Qui était la fin de semaine passée. 26 au 28. Puis sur Smash Melee, écoute, ça faisait longtemps. Je sais pas si ça peut pas dire nécessairement qu'elle n'avait pas gagné dans l'année ou l'année passée. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce nom-là finir premier. Monsieur Mewtwo King, mesdames et messieurs. He's back. Il est comme plus vieux que moi, lui, je pense. Hein? Je pense que ce gars-là est plus vieux que moi en plus. Je ne sais pas son âge, je me rappelle pas de son âge, mais au moins je suis content qu'il soit encore dans la compétition, qu'il soit quand même encore capable d'aller gagner des tournois. Amélie, c'est que pendant longtemps il y a eu Mango, puis le fan aussi qui sortait, il était quand même assez bon. Mais là, Mewtwo King, puis même Hungry Box, on s'entend cette année, ça a été waouh, ça a monté. Mais bon, c'était super bon. Pour Smash Wii U, c'est Zero qui a gagné. Mr. Zero. Mais Supergirl, ça je l'ai nommé par rapport à ce tournoi-là, c'est Supergirl a quand même fini 13e. Bon, quand même. Le top 8, mais quand même 13e. Il y a de l'amélioration pour une des joueuses qui est considérée une des meilleures Sonic au monde. Donc ça s'en vient super bien. Parfait. Allez, d'autres petites nouvelles? Je change parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques de Rio, mesdames et messieurs. Et ils ont fait un événement spécial de e-sport. Ben, c'était pas vraiment les Olympiques. Non, c'était pas c'était les Olympiques. C'était en même temps, c'était autre chose. Mais c'était relié, il me semble. Ouais. Ben, c'était les e-games. C'était. Il me semble que ça se passait sur le. Dans le même. C'était dans le même temps. Non, mais dans le même temps, il me semble que c'était situé à la même place.
Il me semble, en tout cas, c'était dans la même ville. Moi, je sais juste que. Ça avec les Olympiques, je sais juste que sur leur stream d'ouverture, je sais pas si les chiffres ont été mieux. J'ai pas fait mes recherches là-dessus, pour être franc, parce que j'ai été bien trop occupé sur autre truc pour les sportifs. Mais je sais qu'au stream d'ouverture, on avait plus de viewers sur nos podcasts que eux sur leur show d'ouverture. I'm just saying. Ouais. Non, je peux comprendre. Je sais pas si ça a eu un gros hype, cette chose-là. Ben, au niveau des nouvelles, ça a été bien apprécié. Ben, c'est sûr que dans 4 ans, ça va être à Tokyo. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de participants. Puis, énorme, plus de hype, mais tu sais, c'est la première année. Donc, j'y laisse la chance quand même. Là. Pour résumer, il y avait 8 équipes, comme on peut voir à l'écran. Il y avait l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Mexique, les États-Unis. Avec Trinité et Tobago, si vous vous demandez c'est où, c'est dans les Antilles, ok? Vous allez chercher Google Maps, vous allez voir c'est dans les Antilles. Et le Canada, Mr. Ally a été nous représenter, représenter pour le Canada, puis il a gagné la médaille d'or. Yes! Okay? Il a gagné en première place. Deuxième, les États-Unis. Troisième, les Mexicains. Moi, je m'excuse, mais les États-Unis, toujours les voir deuxième, en bas des Canadiens. Toujours une petite fierté. Il a gagné la médaille d'or, je suis très fier de ça. Merci beaucoup, Alain, de bien nous représenter. C'est pas suite à ça, justement, qu'Alain a signé, ben, a signé avec C9. C'est comme suite au E-Games, si je me trompe pas. Ouais, c'était quand même assez proche aussi, en même temps. Il semble que les E-Games sont arrivés après, si je me trompe pas. Là. C'est très proche. À savoir si c'est signé avant ou après, il faudrait que je relise la date exacte. Mais je dirais que plus conséquemment, c'est sûr que c'est à cause de l'Evo qui l'apprécie. Là, on s'en doute pas. On sait très bien que c'est à cause de ça. Oui. Pour ça, je veux switcher sur le jeu Street Fighter. Fighter. Parce que je vais faire un petit retour sur... parce qu'il y a eu une pause. Après l'Evo, on y a eu une petite pause au niveau des tournois majeurs. Les tournois principaux pour se qualifier pour la Capcom Pro Tour qui donnait une place, carrément. Puis là, ils ont fait une pause pendant l'été. Et ça reprend de plus belle, si je me rappelle bien, dans 2 semaines. C'est ça. Dans 2 semaines, ça reprend de plus belle les tournois majeurs. Parce que là, il y a quand même eu des tournois mineurs pour gagner des places et tout. Mais pour l'instant, ils ont vraiment juste fermé ça avec l'Evo. Ils se sont dit après ça, si vous voulez faire des tournois, tranquille, allez-y pour gagner des points. Mais on va prendre une pause pour l'été. Hein? À un moment donné, on se repose un peu. On a le goût de faire autre chose. Puis je voulais juste revenir un peu sur les qualifications. Combien il y en a de qualifiés jusqu'à maintenant? Parce qu'il disait toujours que il y a 12 tournois. Majeur. 11, qui c'est les tournois de la Capcom Pro Tour, puis l'autre, c'est l'Evo. Donc, 12 qui seraient qualifiés automatiquement, le gagnant est qualifié. Mais là, pour l'instant, il y en a juste, si je me rappelle bien, il y en a juste 5, il y en a 7, il y a 12 au total, 7 tournois qui ont été faits avec l'Evo inclus. Mais là, il y en a juste 5 de qualifiés. Donc, comme je l'ai rappelé avec, au tout début, le premier, il y a très longtemps, le premier podcast que j'avais fait, s'ils vont ramener ça sur le classement global. Donc, on va pouvoir aller chercher... ça laisse plus de chance aux gens qui se sont classés globalement. Mais si je peux lire un petit peu mes affaires, à date, les 5 qualifiés, si je voulais les nommer, on a Infiltration, Tokido, Phenom. Ça, c'est bien, ce Phenom. Il a gagné un tournoi majeur européen. Et je suis content parce que ça fait une différence un peu autour de ça. Puis on va le voir avec l'image, justement. Les 5 qualifiés, j'ai fourni l'image pour qu'on voit les 5 qualifiés. Phenom, Momochi et Xiaohei. Et là-dedans, on a quoi? 2 Japonais, un Norvégien qui est Phenom, un Chinois et un Coréen. Donc là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de Nord-Américains qui réussissent à s'en sortir. Là. Ça se qualifie pas beaucoup. Il va falloir que ça change ça. Il y a la Canada Cup qui s'en vient, qui va être un tournoi majeur, qui s'en vient dans le mois prochain, on rappelle, mois d'octobre. Ça va être très beau à voir, justement. Mais là, ça va être... c'est quelque chose quand même... On se dit, ouais, mais on va peut-être avoir des Américains qui vont venir se qualifier. Je m'excuse, mais il y a déjà Daigo Umehara, japonais, qui vient de se confirmer pour y aller, ce qui va être incroyable. Mais je me dis, les Japonais ne laisseront pas leur place non plus. Ça les dérange pas, des fois, de faire le voyage jusqu'en Amérique du Nord. Attendez-vous à voir du gros calibre aussi à Toronto le mois prochain. Malheureusement pour Chiriti, on connaît le calibre qu'il y a à Street Fighter. J'ai regardé un peu le classement pour Nord-Américain. C'est dommage pour lui parce qu'il a seulement 2 points et il est classé 49e. Donc,
écoute, il n'y a pas grand-chance jusqu'à maintenant, à moins du contraire, qu'il arrive quelque chose, un miracle ou quoi que ce soit, que ça se passe bien pour lui. Mais comme j'ai dit tantôt, vu qu'il vient de tomber en couple, on verra bien. On verra bien. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse qu'on ait des représentants canadiens encore cette année, malheureusement. Mais sinon, je m'attends beaucoup. Les Américains vont revenir parce que là, présentement, dans le classement global, j'ai pris ça en note. Dans le classement nord-américain, dans le classement de l'Amérique latine, c'est Justin Wong qui est premier. Ouais, je suis surpris de ne pas le voir qualifié, lui, encore. Non, ben c'est quoi? C'est justement parce qu'Infiltration, il sacré une volée à toutes les fois. Infiltration, c'est les Coréens qui voyagent à travers le monde. Ouais. Et c'est son année. Hein. Je vais être prêt avec vous, là, de la manière qu'il joue. C'est incroyable, c'est son année, ça n'a aucun bon sens. Mais ça va être intéressant de voir que ce qui va s'en venir. Là, ça commence, comme j'ai répété, pour résumer tout ça. Pas grand-chose à en tirer, à part que seulement 5 qualifiés sur une possibilité de 32. Mais les gros tournois majeurs s'en viennent. Donc, je termine avec ça, ma chronique. Les tournois qui s'en viennent, justement, c'est deux tournois majeurs par rapport à Street. La Japan Cup à Tokyo, au lieu du 17 au 18 septembre, pour le Tokyo Game Show. Donc, attendez-vous à voir, vous pourrez autant regarder les tournois de Street, le tournoi de Street. Et en plus, ben, on va regarder des nouvelles de qu'est-ce que les compagnies de jeux vidéo vont vouloir nous annoncer au niveau des jeux. Hein. Et puis, il va y avoir du 22 au 25 septembre, le GX. Oh, ça, il faut que je le dise comme faux. Parce que là, je l'ai entendu, mais il faut que c'est... Birmingham. OK, c'est beau, je l'ai eu. En Angleterre. À Birmingham, bon, oui. Comment? Birmingham. Birmingham. Ouais, c'est ça, d'un coup qu'on l'a, ça va bien après. Qui va avoir lieu en Grande-Bretagne. En Angleterre, excusez. Et ben, ça va être un tour majeur européen. C'est intéressant aussi, parce que peut-être que Luffy... Peut-être que Luffy va aller se qualifier pour cette fois-là pour aller à la Capcom Cup. Excusez-moi. Et c'est tout pour moi cette semaine. Merci, Duran. Merci bien. Merci beaucoup. Ça y est, il y avait du stock. Ouais, quand même. Toujours beaucoup de stock. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Eh oui. Hein. Puis tu sais, Terran. Toujours pour t'en trouver. Terran, il parle de 8000 jeux. Là. On pourrait parler de Killer Instinct qui s'en vient dans pas long sur CD. Puis toute la quête. Ah. Du coup, il y a trop de trucs. Trop. Mais écoute, pendant qu'on est en chronique, je vais en faire l'annonce tout de suite. Il va y avoir au coin Game Over un gros tournoi qui s'en vient au mois d'octobre. Je n'ai plus la date exacte, malheureusement. Par contre, là, je sais pas si la date a été annoncée encore. Des très gros prix. Ceux qui sont habitués du format du tournoi Game Over, ils savent qu'ils donnent des cadeaux à n'en plus finir. Mais là, il n'y a pas plus gros que ça. Je vous le dis tout de suite. Je sais c'est quoi le prix. Je ne peux pas l'annoncer encore, malheureusement. Mais ça va être très gros. Et les tournois sont Super Smash Bros., Killer Instinct et Street Fighter V. Oui. Donc, si jamais ça vous tente... Est content. Oui, effectivement. Enfin, ça fait longtemps que j'en entends parler en plus. Ça fait longtemps que tout le monde dit ah, ben il va peut-être avoir un tournoi de jeu de combat, on sait pas trop. Come on. Il y a des weekly de Smash. Oui, c'est ça. On en prend un. Mais non, ça va être un gros tournoi. Mais là, ça, il y a de quoi qui se travaille dans. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Dans le lab avec. Cook Lightning. Écoute, en fait, aujourd'hui, on n'est pas tant à lab. Aujourd'hui, je pense que c'est plus comme conversation sur le bord du feu, OK? Dans l'optique où ce qu'on... J'avais le goût de parler des choses qui s'en viennent. Mais tu sais, il n'y a rien de concret vraiment. Je commence par vous lancer, justement, dans League of Legends. T'as-tu vu que Galio va être rework? C'est justement ça que je voulais parler! Hey! On créerait qu'on s'est parlé avant le show, pis c'est même pas arrivé! Ouais, ça, ben, oui, Galio a été annoncé, pis. Ben, je. C'est drôle parce que Galio est dans un spot où que ça fait longtemps que. Autant il a pas été nerf ou il a pas été tant buff dans les. Oui, personne le joue. Pardon? Personne le joue. Ben c'est ça, puis... Il était comme à côté de Yorick. Justement, la conclusion, où ce que le rework, finalement, est relativement nécessaire, parce que, justement, il sort pas. C'est un super bon champion qui est fait pour être AP pour contrer les mages. Ouais. Mais la game... Son kit actuel fait que, justement, il change pas grand-chose au jeu. Tu sais, il est bon, mais... Un ult bien placé. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de Galio, je trouve, c'est justement c'est ça. Genre, c'est lui qui fait tout le personnage. Ben, t'es en train de comparer Galio à toutes les petites personnages d'Overwatch. Oh! Oh! Oh!
Ça burn! Non, pas tant que ça. Ben là. T'exagères. On se parle-tu de tous les personnages dans Overwatch que tu payes R et que t'as quasiment gagné la game? Oui, mais Overwatch tourne. Overwatch est vraiment pas le même type de. Ben non, mais non, mais non, mais je voulais juste dire que c'est le style de personnage que tu payes R et t'attends. Oui, pis non. Surtout dans Galio. Dans Galio, ouais. Qu'est-ce qui est aussi un peu triste, c'est que, genre, oui, t'as un bon nul qui va tenter tout le monde, qui va faire que toute l'équipe adverse va arrêter de bouger, sauf que si ta team suit pas, ben tu vas juste mourir, pis that's it. C'est à moins qu'il soit low, pis t'as quand même le dégât nécessaire à la fin pour tout exploser, là, mais ouais, effectivement. Ouais, ça arrive pas tant souvent. Non, c'est ça. Surtout que le champion du veut pas avec les nouveaux kits de champion pis les anciens reworks, fait que. Petit à petit, c'est quand même détérioré, puis son kit de gameplay est assez pauvre. Mais c'est que Galio fait partie, encore une fois, des champions qui ont été released dans les débuts du jeu où il n'y avait pas tant d'innovation que ça, puis ben. Puis ben, en fait, ça m'amène juste à celui qui va être va sortir, qui a été annoncé aussi avant Galio, qui est Warwick. Qu'ils ont commencé à parler un peu plus vers quoi qu'ils voulaient se diriger. Parce que clairement, actuellement, son kit n'est pas satisfaisant. Là. Puis, je vais t'avouer que personnellement, moi, je suis pas surpris qu'il ne l'ait pas rework bien avant ça. Parce que c'est probablement le personnage que tu as juste besoin de cliquer sur la map puis that's it. Parce que t'as un de ses spells qui fait juste sentir le monde qui sont blessés dans la map. Hey, bravo, champion, le skill pas utile. Ouais, mais puis ça, c'est le style, en plus de ça, pour faire en sorte que, hey, je m'en viens de ganker, mais tu le sais parce que t'as le symbole qui apparaît au-dessus de ta face. Quand je suis loin. Ouais, puis juste comme d'un premier sort, le range est tellement petit que ça sert complètement à rien. Tu l'actives même pas pour comme ganker, parce que exact. Sinon ça va justement, comme tu as dit, reveal ta présence. Fait que, c'est attardé, son ult aussi, qui était comme super facile à gérer, parce que dans le fond, il stun quelqu'un, et je pense qu'il donne 6 coups vraiment rapidement, puis that's it. Mais dès que Warwick ça se fait stun, ça arrête son ult. C'est super pas bon. Non. C'est incroyablement mauvais. Fait que, ben, je suis content. Mais une des choses qu'ils ont dit qu'ils voulaient justement garder dans le kit de Warwick, c'était justement le chasing. Ils veulent vraiment mettre plus d'emphase là-dessus. Et le mot-clé qui a fait comme on sait que Warwick, c'est un personnage violent, puis on veut garder ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont y faire. J'espère qu'ils vont pas trop le rendre comme Fenrir dans Smite. Ouais, tu m'éclaircis, je connais pas tant Fenrir. Fenrir, c'est celui qui grab a popsicle. Là. Ah! T'sais, le fait que tu peux faire un bite et un drag, pis ces choses-là. T'sais, j'espère qu'ils vont quand même pas trop aller vers. T'sais, parce que c'est facile de faire un kit de loup, on s'entend. Là. Actuellement, je vais t'avouer que je trouve que les équipes pis les reworks qu'ils font, autant que des fois j'ai l'impression qu'ils gardent vraiment l'essence du personnage, pis que d'autres fois ils vont vraiment dans des optiques que j'ai pas vu venir, là, comme le téléport de Ryze. Ouais. J'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça avec, pis pourtant. La seule chose que je vais demander, c'est faites-en pas un autre hostie de minigame. Ben c'est sûr. Je suis tanné des minigames dans la ligue. C'est rendu ça maintenant. Je suis tanné. Tanné. Pour ça, tu joues plus. Par minigame, Cadium, j'entends genre Gangplank et ses nouveaux barrels. Que là, maintenant, il en place deux. Puis, il est capable de shotter le premier puis de déposer son troisième barrel avant que le deuxième explose. Fait que là, tu sais jamais il est où le troisième petit barrel qui va te péter dans la face. Ou les échos qu'il faut qu'il fasse deux, trois coups pour pouvoir t'en donner un autre. Ça, c'est le personnage. Je te dirais que minigame, moi, j'aurais plus présenté Skarner. Skarner avec les choses sur la map. Autant ton équipe alliée puis l'équipe adverse peuvent prendre le contrôle pour leur donner de la vision. Mais non, mais tu sais, c'est le fun des kits simples aussi. Ouais, t'sais, ben écoute, Kled était un kit très simple, tu sais. Quand même, t'sais. Mais sa Kled, c'est un autre qu'après deux coups, il t'en donne un troisième plus fort. Mm-hmm. Tu sais, mais Fiora, c'était le fun, les points. Ça, j'ai aimé ça, c'est un peu d'originalité, puis ça reste quand même assez simple. Mais tu sais, je regarde Auriel, par exemple, dans Hots. Ouais. Super simple comme champion, mais tellement le fun à jouer. Un kit simple, on s'entend. Le kit est simple, mais tellement le fun à jouer. Fait que t'es capable de faire une innovation d'un champion sans toujours faire donne deux coups puis un troisième plus fort. On va nommer les anciens qui, la dernière match, Talia, qui a un kit super simple. Il y a eu Aurélien Sol qui a eu un kit super simple. Je veux dire, il y en a. Tu vois, Aurélien Sol, c'est un champion que j'ai adoré.
un kit que j'adore. Le fait qu'il peut se téléporter. Mais pas se téléporter, qui est très mais bon passer. Actuellement en jungle. Mais moi non, mais fait Talia, tu sais, c'est avec ses spots à terre. Ça avait très joué aussi, Talia, hein? Oui. Ça, c'est le fun. Moi, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à l'avoir tant joué. Finalement, c'est un des comme quasiment meilleurs picks que tu peux pas prendre actuellement dans la game. Moi, je vais te donner une mission, Cook. What? Pour une prochaine. Peut-être une prochaine chronique. Ben, certainement. Ben, il y a eu une couple d'annonces qui ont été faites par rapport aux assassins. Pour la prochaine patch qui s'en vient. Ouais. Dis-moi pas que c'est de ce que tu voulais parler. Non, non, mais okay. J'allais en parler. Tenir à ça comme quoi que justement, il commençait à en parler tranquillement ouais. Pas. Fait que j'aimerais ça que tu nous fasses un petit résumé éventuellement de ce qui s'en vient, puisque je sais qu'ils ont parlé de Katarina. Ouais, ben actuellement, il y en a 4 que j'ai vu qui visaient particulièrement, qui est Rengar, Talion, Leblanc et Katarina. C'est comme les 4 qui visent, puis j'aime ça. Parce que le dernier gros changement qu'il y a eu, c'était les mages. Puis, ils ont quand même pris le temps de préciser que malgré qu'ils ont refait les mages récemment, ils veulent viser les mages assassins aussi en particulier parce que ils trouvent qu'ils tombent un petit peu trop dans le généralisme des mages. Puis, ils veulent vraiment que les assassins, qu'ils soient AP ou AD dans le fond, soient vraiment comme démarqués, qu'il y ait vraiment une gimmick spéciale juste pour eux autres. Fait que je suis comme, ça peut être intéressant. Excellent. J'ai bien hâte de voir ça. Fait quoi ouais, les AD. Les assassins. Fait quoi ouais, c'était ça que je voulais parler. Bon petit résumé. Fait que Galio, bon, hey, Galio, ça m'a rejeté à terre. Mais bon, ok, je passe au prochain. Hero of the Storm. On est tous au courant que les deux prochaines maps s'en viennent. C'est toujours ça. Il n'y a toujours pas d'information qui est revenue par rapport à ça. Sauf que cette semaine, ils ont annoncé qu'après le 13 septembre, la patch, ils disent qu'ils vont faire une grosse patch. Si vous jouez après le 13 septembre, vous allez avoir un personnage gratuit que vous allez pouvoir choisir parmi 6 personnages. Faites juste jouer et on te donne un personnage. Ça va être qui, genre Raynor? Je te dis ça, c'est Tyrande. Anubarak, Troll, les trois autres, parce que dans le fond, ça, c'est les trois premiers choix qu'ils vont te donner. T'as le droit de débloquer un des trois Lost Vikings gratis. Faut que tu payes pour les deux autres. non, une chance pour pas ça. Donc, dans le fond, si jamais t'as déjà les trois premiers personnages qui te donnent le choix, ils t'en montrent trois autres, qui est Nazibo, Sonya, puis Uther. Puis si jamais t'as aussi ces trois personnages-là, ils vont juste te donner 4000 gold en jeu. Quand même. Quand même. C'est très hot. Très hot. Ouais, c'est un peu moins que la moitié d'un champion. Ben, en fait, c'est 4000 gold, c'est le prix des 6 champions qui t'offrent. Ouais, c'est ça. Non, ça a de l'allure. Genre, tu perds pas. T'es pas désavantagé si tu les as déjà tous. Fait que c'est nice. C'est un bon petit cadeau pour vous inciter, dans le fond, à. Au moins aller essayer les nouvelles maps qui vont s'en venir, puis les nouvelles, le nouveau, pas jeu, mais tu sais, qu'est-ce que ça va l'air après la patch? J'ai très hâte à ça, parce que c'est une des... On a joué Cadium et Alban l'autre soir, et on a eu beaucoup de plaisir quand même. Ben... Mais en tout cas, Cadium a pas de l'air sûr d'avoir eu du plaisir, lui, mais... Ben... Oui, c'est juste que, honnêtement, tant qu'à ça, je vais jouer à LoL. Je trouve que LoL est plus deep. Il y a plus de profondeur à LoL quand même. Ouais, mais faut dire que t'avais Vala, t'avais Vala qui est comme un des personnages qui est dans le pire spot en ce moment. Là. Mais non, je suis d'accord. Moi, la seule raison pour quand je joue à Hero of the Storm, c'est quand je joue avec justement des personnes. Sinon, je joue jamais à ce jeu-là parce que je vais t'avouer que j'ai le même avis que toi. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Tu fais un petit joueur, hein, fait que c'est difficile. Non, mais c'est qu'à la différence, c'est qu'à League of Legends, tout seul, t'es capable de faire une différence. Genre, même si t'es dans une équipe de 5, même si tu joues tout seul sur ton bord, t'es capable de faire une différence dans le résultat de la game. Tandis que je trouve que c'est ça qui est plus difficile à démarquer dans Hero of the Storm. Ben, c'est que t'es capable de faire une différence, dépendamment du personnage, mais tu seras pas capable de carry ta team au complet. Sauf que, tu sais, avec à Hutz, un hook bien placé ou un stun de Uther bien placé, tu sais.
Tu peux faire une différence pareille, mais tu feras pas. 3, 4, 5, 6. C'est ça. Bien placé. Non, exact. Pas juste un, tu sais. Puis, à l'inverse, moi, en fait, c'est pas tant le fait que tu peux pas carry, c'est aussi le fait que tu peux pas tant carry down. Ouais. Tu sais, tu peux avoir un feeder. Tu sais, si l'un est vrai, l'autre est vrai aussi. C'est-à-dire que, moi, un feeder, oui, ok, c'est une chose, mais c'est que si tu performes pas bien, ça change pas vraiment grand chose. Tant que t'es avec la team puis que tu suis, c'est. J'ai presque envie de dire que c'est noob friendly. C'est comme un smite ou un league ou un noob friendly. Ben, c'était pas mal ça le but. En fait. Sauf qu'eux, ils ont misé plus sur les maps. Sur les... C'est... Moi, c'est ce que j'aime de Huts, c'est les maps. Les objectifs de map et ces choses-là. Ça, j'ai du fun. Les personnages, ça démarque vraiment plus dans Heroes of the Storm. Que si tu prends le lot au complet là, de Dota, League, Smite, mettons, là, qui sont comme les gros MOBA qui me viennent en tête présentement, là, les champions de Heroes of the Storm, pour moi, se démarquent pas tant que ça, mais les maps, par exemple. Les maps. Ouais, parce moi je suis d'accord. Comme, les deux nouvelles qui s'en viennent. Déjà quelque chose qui en aille plus qu'une, là, déjà. Moi, je dirais que dans Huts, c'est leur kit, des fois, aux champions qui sont quand même intéressants puis qui apportent des certaines petites nouveautés. Oui. Mais côté design, c'est parce que c'est tous des personnages qu'on connaît. Genre, fait que c'est un peu plus dur de... Ils peuvent pas déroger de non, ce que les sûr. Personnages sont. Tandis c'est le qui existe déjà. Tandis qu'à Smite, ils ont tous leur attrait, je trouve. Parce qu'à Smite, c'est le fun de voir leur représentation des différents dieux. À League, c'est de voir la créativité alentour de la création d'un personnage from scratch. C'est assez... beaucoup de choses. Ben ouais, sur ça, j'enchaîne sur Overwatch. Parce que dans deux semaines, la saison 2 arrive. Fait que je veux pas, il y a des changements qui se font aussi sur les champions. Mais tu sais, actuellement, c'est rien non plus de couler dans le béton. Dans les premiers personnages, ici on parle de D.Va qui serait un mini nerf. Dans le fond, c'est vraiment un ajustement au moment où elle met son shield, pardon, puis que le recharge embarque. Dans le fond, c'est vraiment comme les fractions de seconde avant que son shield commence à se régénérer, sa barre de bouclier, pour qu'elle puisse moins spammer. Dans oui, le fond, parce que c'était stupide son histoire, elle. Ben, c'est ça. Les gens, ils disent comme oui, c'est un nerf, mais d'un autre côté, ça paraîtra pas tant que ça, sauf si t'es vraiment comme niveau pro level, puis tu joues en à côté. Mais les noobs comme nous autres verront pas tant de différence. Oh, les maps, la saison 2 sont sorties live. What? Update! Update des shit! Damn! Bon ben. Bon ben. Allez mettre à jour. Mes chers amis, c'est ce qui met fin au podcast de ce soir. Merci d'avoir été parmi nous. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ciao bye! Deuxième. Ok, parle. Ok, man. J'essaye de clencher, Max. Ok, vas-y. Triggered, là. Triggered. Donc, deuxième personnage, May reçoit un buff, mon ami. Fait que, je sais pas à quel point t'es salty, Max, de May. Oui, mais non, parce que les personnages que je joue, elles me causent pas tant de problèmes. Ben, en fait, moi personnellement, j'adore May, puis je suis probablement un de ceux des weird ones qui fait comme elle me dérange pas tant. Je veux dire, c'est un bon personnage de contrôle chaotique. Puis la seule chose qui buff, c'est justement son ult. Il rajoute 2 secondes sur la durée de son zone, de son ult. Fait que je suis comme eh, anyway, c'était déjà pris dedans au début. Ouais, t'es c'est déjà ça. Mort. C'est ça. C'est au moins, ils ont pas comme buffé son Nasty Dice Gun de marde, là. Ouais, non, c'est ça. Ils ont pas touché à quelque chose que je trouvais dérangeant. Ouais. Fait que c'est correct. C'est vraiment un mini changement. Par contre, le prochain, lui, j'ai été surpris, puis je vais t'avouer que de façon générale, les gens aussi sont surpris. Lucio est nerfé. Ah, oh, ouais. Yep. Les gens comprennent pas trop pourquoi, mais son Amp It Up, qui est dans le fond son E, si vous voulez, pour augmenter pour le boost de son speed et nerf d'à peu près 30%. Fait que vous allez genre aller vous déplacer moins vite quand il va faire son Amp It Up. Puis les gens sont comme, mais pourquoi?
Puis les gens, on pense comprendre que c'est probablement à cause des buffs qu'ils ont fait à Zenyatta qu'ils veulent nerfer Lucio pour dire, tu sais, oui, il est super bon, il est excellent actuellement, puis ils veulent juste le nerfer pour dire comme, tu sais, il est bon, mais on veut pas qu'il soit si bon que ça. Mais je sais qu'ils veulent nerfer Mercy aussi pour la remettre de King of de Queen of Healing. Ils veulent la nerfer? La buffer. La buffer. Okay. Ouais. Parce que c'est ça, actuellement, le dernier changement qu'ils ont fait à Mercy, ils ont prolongé la durée pour avoir ton ult, fait que ça prend plus de temps pour l'avoir. Puis je vais t'avouer que je trouve que ça fait une méchante différence. Puis autant pour le healing, il a un tank, damn, c'est long! Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est parce qu'avant, c'était con, là, tu te mettais en arrêt de Road Dog, puis t'avais ton ult vraiment vite, là. Oh oui, mais c'est correct. C'est... Il essaie vraiment de balancer les supports actuellement pour trouver un bon équilibre pour qu'ils soient relativement tous joués. Et le dernier personnage ici qu'on parle, c'est Zenyatta, qui reçoit un nerf et un buff en même temps. Son orb Discord, qui habituellement tu vas t'en servir pour le healing ou pour débuffer quelqu'un. Je me mélange. Discord plus healing. Whatever. Son healing de son orb va être nerfé. Déjà que je trouve que ça healait pas beaucoup. Mais ils vont augmenter les dégâts que ça fait. Fait qu'ils sont encore... Ils misent sur l'accent que pour que Zenyatta devienne encore un meilleur sniper. Puis les gens ont... Comme, ouais, déjà qu'il y a du monde qui oublie de te healer quand ils jouent Zenyatta. Là. Ouais, mais c'est que... qui est un peu awkward parce que Zenyatta est pas tant déjà reconnu pour être un bon healer, un bon support. Puis actuellement, il était dans un très bon spot dû à ses derniers changements qu'il a fait. Puis là, ils sont juste comme, on fait comme... Non, finalement, on veut pas qu'il soit tant joué. On veut vraiment plus que ce soit un sniper support, pardon. Puis t'es comme, mais pourquoi? Pourquoi? Okay. Fait que, ouais, probablement qu'il y a d'autres changements, comme tu disais, qui vont venir à long terme pour... Avec Mercy pour dire que vraiment ça va être un personnage pourri. Ouais. Ils veulent probablement donner des meilleurs spots plus clairs quand tu vas prendre un personnage support avec un rôle, disons, plus défini. Parce que autant Mercy au début de la saison, on la voyait dans chaque team comp pro, était tout le temps là, que là on la voit plus du tout. Presque plus, ouais. C'est, ouais, elle a pris une méchante débarque, mais d'un autre côté, tant mieux. Parce que justement, ça ouvre des portes aux autres champions. Ouais. Moi, je suis content de revoir Zenyatta dans le jeu parce qu'au début, on le voyait juste pas. Fait que, non, on reste à voir qu'est-ce que ça va dire tout ça. Excellent. C'est tout. All right, ben merci, mon cool. Yeah. Nous, on va aller prendre une courte pause de quelques minutes, le temps de se désaltérer. Et on va revenir là, de vers 9h et. Dans à peu près, gros max, 5 minutes. Restez des notes, gang. En revenant de la pause, on a Cadium qui va nous parler de StarCraft 2 et moi-même qui va faire un petit wrap-up sur les différentes activités dans la LCS et ce qui s'en vient pour Overwatch compétitif. Enfin, restez là, gang.
Cadmium. On the rocks. Hell, it's about time. Merci tout le monde d'être resté avec nous pendant cette courte pause. Et ben pour ceux qui sont partis, vous êtes pas des vrais. Ouh. Et oui. Cadmium! Hello! Beaucoup d'activités dans StarCraft 2 pour. Ouais! La coupe. qui s'en viennent. Oui! Voilà, pour la Copa Internationale. La Copa Intercontinentale. Intercontinentale! Il y a trop de mots, il y a trop de syllabes là-dedans. Oui. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai très hâte de voir comment. En fait, dans le jargon de StarCraft, le parler de ce que j'entends, on l'appelle plus la Copa, tout simplement. Copa. Probablement à cause de ça, d'ailleurs. Donc, la Copa, question de faire bref, parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de rouler le R de Intercontinental, puis de juste m'amuser avec ça, mais on va vous épargner tout ça. 9 et 10 septembre à Mexico. Mexico. Ok, j'arrête. C'est le dernier majeur de StarCraft pour cette saison. On attendait majoritairement de savoir qui, dans les qualifications Europe et Nord-Américaine, allait aller chercher un spot. Parce que, faire un petit wrap-up rapidement, c'est un majeur, mais c'est un mineur parmi les majeurs. 50 000 $ le prize pool. 10 joueurs seulement, et ça fait un format assez particulier quand même. Les deux joueurs nord-américains qui se sont qualifiés, c'est Scarlett et Neeb, et côté européen, il y a Snoot et Uthermal. Donc Snoot et Uthermal, si je ne m'abuse, qui étaient déjà qualifiés d'une manière ou d'une autre pour BlizzCon, donc il n'y aura pas beaucoup de mouvement de ce côté-là. C'est disons que c'est pas le gros hype auquel on s'attendait à cause des joueurs qui sont qualifiés présentement. Moi, en tout cas, je regarde les qualifiés, là, puis il faudrait que je retourne voir en fait le classement final. Je pense qu'il y a peut-être juste Hydra là-dedans qui pourrait changer son classement dans ce tournoi extrêmement weird où on voit en fait 6 des 8, c'est-à-dire même pas 6. 6 des 10 joueurs commençaient en quart de finale et il y a un round of 10 juste avant. Je regarde le format parce que j'essaie de trouver la meilleure façon de le décrire. Il aurait fallu que je prenne en fait un screenshot puis qu'on fasse un gogos avec Paint pour pouvoir l'avoir à l'écran. C'est juste vraiment un format très weird. Je sais pas trop quoi dire là-dessus, en fait. Honnêtement, plus je le regarde, moins je le comprends. Regardez plus, Cadmium. Regardez plus. C'était un tournoi extrêmement contingenté parce que, bon, comme je disais, il y a seulement 10 joueurs. On n'est vraiment pas dans un majeur à 32 joueurs. Il y a 2 spots pour l'Europe, 2 spots pour l'Amérique du Nord. Un spot réservé à la Chine. Un spot réservé à l'Océanie et le Japon dans le même groupe. Et c'était extrêmement intéressant, ça. Un spot réservé pour Taïwan et Hong Kong. Et un slot pour l'Amérique latine, qui est le dernier qualifier qu'il nous reste à aller faire avant d'avoir vraiment le portrait final. Parce que pour l'instant, on sait que on connaît les 6 premiers joueurs, l'ordre dans lequel ils vont être placés. On sait que Scarlett est le 7e seed à cause de sa position dans le classement. Mais les 3 joueurs qui restent à placer, le chinois Cyan, l'Australien Yaguz et l'éventuel qualifier latino-américain vont déterminer les seeds 8, 9 et 10. Donc on ne sait toujours pas qui va jouer contre qui. Et c'est ce qu'on regardait avant le début de l'émission, mon cher Max. Le qualifier, là je vais aller le chercher pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Parce que c'est vraiment aberrant. Le qualifier d'Amérique latine commençait le 24 août, donc la semaine dernière, et va se terminer le 9. Mais le tournoi de la Copa commence le 9. Fait que je comprends pas vraiment. On est en demi-finale, ça a l'air d'un ongoing, on dirait un tournoi style les joueurs jouent quand ils ont le temps. Hey bro, quand est-ce que tu veux jouer? Yo, t'es-tu prêt? Moi, jeudi soir, je travaille.
pas trop sûr comment ça se passe. Jeudi soir, je regarde les sportifs du clavier. C'est ça, jeudi soir, écoute, j'imagine déjà là. J'imagine déjà entre Cham et Quel Azur, la conversation, tu sais, non, écoute, je peux pas jeudi, c'est les sportifs, tu vois. Eh oui. Bref. Gros tournoi qui s'en vient. Dans la dernière fin de semaine, c'est le dernier majeur pour BlizzCon, puis après ça, c'est vraiment le dernier stretch là, vers BlizzCon où on va avoir le calme avant la tempête. On va commencer à regarder un petit peu plus aussi ce qui se passe du côté coréen. C'est peut-être ce que je veux voir dans ma prochaine chronique des prochaines semaines, parce que c'est pas depuis la séparation Foreigner-Corée, c'est pas une scène que je suis particulièrement pour des raisons évidentes. C'est pas près de nous, puis c'est pas mêlé à la scène Foreigner, même s'il y a quelques Coréens qui percent en Amérique, qui ont émigré finalement, d'une certaine façon. Donc on va suivre ça de près, la fin de semaine du 9, et une autre chose qu'on va suivre la fin de semaine du 9, je saute un peu du coq à l'âne, RLCS, je vais revenir à StarCraft après, mais RLCS, la saison 2, commence, les Rocket League Championship Series, les premiers Open Qualifier pour l'Amérique du Nord, le 10 pour l'Europe, le 11, est-ce que ça tombe pas? Non, c'est ça, c'est Wow! Hey, j'avais pas réalisé, c'est vendredi et samedi la Copa. Comme c'est étrange. Non, c'est le 10 et le 11. C'est moi qui me mélange avec le 9. Ok, ils utilisent pas le même format de date, ils mettent le jour avant la date, puis ok, je comprends. Ils mettent le jour avant le mois, puis le mois avant la date. Lâche pas, Cadium, tu vas y arriver. Bref, tout ça, ça se passe pas en fin de semaine, la suivante. Ok? Yes. C'est compliqué. Je voulais faire rapidement un clin d'œil parce qu'on a eu droit à d'autres choses cette semaine. Avant la tempête Copa Intercontinentale, il y avait Underdogs qui faisait un show match très très particulier. Puis encore une fois, on en a parlé un tout petit peu avant le show. Clem, ce joueur français maintenant légendaire pour s'être qualifié et fait refuser l'accès à une finale majeure du WCS. À cause de son âge, c'est un kid de 14 ans. J'assume que tu mets l'image à l'écran présentement. Oui, monsieur. Je veux dire, c'est un phénomène. Moi, les headphones sont juste vraiment trop grands pour ça. Le micro est plus grand que son nez. Oui, c'est ça. C'est vraiment impressionnant. Et Clem fait extrêmement bien dans Underdogs, qui est la série de tournois réservé aux francophones, fait par nos gentils français de O-Gaming TV. Je t'arrête 30 secondes. Ouais, vas-y. Il y a 14 ans, hein? Ouais, il y a 14. Regardez-y à la face, là. Mm-hmm. Ça, c'est style de gars qui dit « J'ai niqué ta mère » à Counter-Strike. C'est lui, ça. Ben, pas lui, là, mais il y a cet âge-là, là. Ouais, sauf que lui, il joue pro level. Ouais. Oui, lui, oui. Mais... Voilà. Fait que, autrement dit, top 4 dans les 4 derniers événements Underdogs. Underdogs qui sont pas. C'est pas nécessairement du top niveau. Pour les gens qui connaissent, c'est le top niveau français généralement. Mais c'est vraiment un tournoi pour les francophones. Donc, il va y avoir de temps à autre des Suisses. Et. Dans le prochain Underdogs, il y a un Canadien qui a fait son chemin, notre gentil petit Semper, qui va jouer, je me suis rendu compte de ça aujourd'hui, je savais même pas en fait, qui va jouer la prochaine session d'Underdog, saison 27. Et ce que je trouve très drôle, c'est que dans la description du tournoi, je suis sur Liquipédia présentement, puis je remarque, oui, Underdogs, c'est une série de show match entre des joueurs francophones, top level, blablabla. Bla, bla. Et il précise, le tournoi est aussi ouvert aux Québécois français. Autrement dit, comme la seule procédure pour avoir le droit de jouer, c'est qu'il faut que tu prouves que tu es capable de parler français, ce que je trouve complètement hilarant. T'appelles sur Skype, t'as juste quelqu'un qui... Bonjour, moi parler le français, moi ouais, participer. Merci. Avec Google Maps, ouais, c'est ça. Le russe Borchaskov qui parle trois mots français va jouer aussi. Ouais, exact. Non, c'est un petit tournoi le fun en fait. Underdog, c'est super cool. C'est vraiment juste 4 joueurs qui s'affrontent dans un. Pas 4 joueurs, excuse-moi, 8. 8 joueurs qui s'affrontent dans un group stage à 2 niveaux. Puis le top 4 en fait se sépare 400 euros. Quand même. Simplement, super simple.
super simple, super cool. Et dans le cadre de cet underdog-là, le fameux joueur Clem, la raison pour laquelle je voulais l'amener, c'est qu'on a eu droit cette semaine à un légendaire best of 31 entre Clem et Bly. Best of 31. Ouais, qui est un autre joueur, européen. Non, mais c'est pas ça, ça a le mérite d'aller jusqu'à loin, là. Je veux dire, tu peux avoir 61 games qui est joué, là. Non, ben, ok, c'est ça. Il faut remettre en perspective la définition de Best of 31. En fait, Best of 31, c'est pas qu'il va y avoir 62 games. Normalement, en Best of 31, tu t'arrêtes à 16. En fait, Best of 31, c'est le format d'une game de Counter-Strike. Right? Oui. Oui, ok, c'est pas le premier qui... Ok, c'est beau. Parce que j'avais le premier qui... Ouais, j'avais le premier qui se rendait à... C'est un best of 126. Ouais, non, c'est ça. Ouais, j'ai mal. Mes mathématiques de deuxième année sont loin. Faudrait que j'aille à l'école de ta fille, ouais. Ouais, pas sûr qu'elle est rendue là, déjà. Mais best of 31, donc, sauf qu'il y a un prix, c'est financé par le public. O-Gaming met un certain montant et les dons reçus pendant le show match vont gonfler le prize pool, ce que je trouve complètement amazing comme concept. Il avait fait ça dans un tournoi d'Overwatch, si je me trompe pas, aussi avec Gozu Gamers. C'est vraiment cool, moi j'adore ça. Il faut que les organisateurs du tournoi aient une bonne fanbase. Puis là, dans le set de StarCraft, je pense à Base Trade TV qui pourrait faire ça. Oui. Les gens d'O-Gaming avec les francophones pourraient accomplir ça. Éventuellement, plus au Canada, peut-être les gens d'ES Champ qui commencent à être gros quand même avec leur tournoi qui sont feature carrément sur le launcher de Blizzard quand tu sélectionnes StarCraft 2 qui font extrêmement bien aussi. Kings of the North, j'avais le mot sur le bout de la langue. King qui s'en vient bientôt là, Kings of the North. Qui s'en vient très bientôt, le sixième qualifié qui a été déterminé justement un petit peu plus tôt cette semaine. Mais je veux comme clarifier le best of 31 là. Les 31 matchs sont joués dans ce cas-ci. Wow. Les 31 matchs sont cédulés, c'est fait sur deux jours. Et puis, malheureusement, cette fois-ci, ben, Clem s'est fait éclater la gueule. Clem a forfeit après la 21e game parce qu'apparemment, il était. Vraiment... Il était trop tard, fallait qu'il se couche. Écoute, on a tout fait ce joke-là, sérieusement. Oui, on l'a tout fait, là. Mais apparemment, il était mal en point, comme il était malade, puis tout ça, ça allait vraiment pas bien pour lui. Après 21 games, c'était 17 à 4. Fait que finalement, Blake se sauve avec une victoire de 27 à 4, comme presque gratuitement. Et de la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que c'est pas 60-40 la séparation du prix, c'est chaque map a un simili price pool qui équivaut à peu près à 20-30$ dans ce cas-ci, là. Donc Clem pour ses 4 victoires va quand même chercher 80$ puis Bly 530. C'est cool comme concept, c'est cool parce que ouais. Un best of 31 au fond tu peux pas vraiment céduler ça parce que tu sais pas si ça va finir 16-0 ou si tu vas avoir un ace match à 15-15 aussi imprévisible qu'une game de Counter-Strike. J'aime ça, j'adore ça, j'aimerais ça voir ça au Québec, j'aimerais ça voir deux joueurs québécois peut-être dans un prochain événement d'Underdogs. Peut-être que Semper va se faire inviter à faire ça éventuellement un jour. Ce serait cool. Sait-on jamais. Yeah. Mais oui, écoute, c'est une courte chronique parce que des deux côtés, du côté de Rocket League et du côté de StarCraft, c'est vraiment le calme avant la tempête. Les qualifiers sont finis. On se prépare pour les grosses finales en fin de semaine prochaine. Puis après, ben, comme je disais, pour StarCraft, c'est le dernier stretch vers BlizzCon. Non, mais... Puis semaine prochaine ou la suivante, on va essayer de regarder un petit peu, puis peut-être faire un overview de tout ce qui s'est passé côté Corée cette année avant BlizzCon. C'est correct que ce soit court, parce que on vient de me contacter directement par Facebook, et on a notre envoyé spécial live de Toronto... qui veut venir nous jaser. Alban, notre cher Alban, qui est présentement... Donc là, je m'excuse d'avance, là, vous l'overlay chie, puis présentement, il y a le nom d'Alban dans le front de Cadium, là. Mais c'était pas supposé arriver. Donc, on va essayer de rejoindre... On va essayer d'appeler Alban, qui est en direct de Toronto, directement, voir s'il va prendre le call. Il nous a dit oui. Donc, il va venir nous parler un peu de ce qui se passe à la Northern Arena à Toronto et des petits problèmes techniques là, dont on a fait mention il y a quelques minutes de ça. Ah, t'as bougé. Ah.
Je l'aime à côté, ça a boire que tu m'avais mis en face. Okay, on va voir si la communication peut s'établir. Mais sinon, pour ce qui est de King of the North, vite vite, tu peux peut-être parler de c'est quoi King of the North pour les gens qui connaissent peut-être pas ce tournoi-là. Kings of the North, rapidement, en fait, j'ai pas vu qui d'autre était qualifié. Je vais aller me le chercher, honnêtement. Non, mais sans dire les qualifiés, puis tout juste dire comme c'est quoi King of the North, puis ce que ça représente, puis. Le tournoi effectué, en fait, organisé par ES Champs, c'est la troisième session. C'est pas un énorme tournoi, mais c'est un tournoi qui bénéficie présentement de beaucoup d'expositions de la part de Blizzard. C'est 5 000 $ de price pool, si je me trompe pas. Puis là, finalement, écoute, tu m'as mis on the spotlight. C'est fin septembre, je pense, le 25. Là, faudrait que je regarde mon calendrier, là, honnêtement. Ça tombe-tu un samedi-dimanche, ça? C'est la fin de semaine du 24-25, si je ne m'abuse. Et... c'est le 24. Ça. Exact. Le 24? 24, ouais. 24-25, c'était exactement ça. Et là, c'est... Il y a déjà des qualifs de fait. Ça se fait par groupe. Semper n'a pas réussi à passer, il me semble. Le dernier qualifié, c'est Poke Bunny. Poke Bunny qui a sorti un joueur coréen. J'aimerais ça vous arriver avec l'information complète, honnêtement, là, mais je ne l'ai pas suivi. J'ai pas eu le temps cette semaine. C'est correct. Je peux bien te garocher ce que tu veux comme info, mais ça va être incomplet. Non, mais c'est correct. J'essaie de découler le temps pendant que Albin est en train d'installer Skype sur son téléphone. Parce qu'il nous a dit on va à Skype. Mais j'ai pas Skype sur mon téléphone. RIP. Eh bien, écoute, si t'as encore du temps, moi, je peux aller un petit peu plus loin, tu vois. Poke Bunny, Neeb se rendent au Championship Bracket. Est-ce qu'il y a juste 6 joueurs qui se qualifient? Ouais, 12 invités dans 3 groupes. Fait que c'est le dernier. Finalement, je pensais qu'il y avait un groupe D, puis non. Donc, Kelazur, Puck, Massa, Violet, Neeb et Poke Bunny. Donc, on a malheureusement un seul Canadien, Semper, qui finit 3e du groupe A. Et après une défaite contre Puck dans le Up and Down match. Ah, ça me surprend un peu, ça, quand même. On a Alban avec nous. Salut Alban! Hello, hello! Alban et le background noise assez incroyable d'ailleurs. Oui, ben oui, parce qu'il faut dire qu'Alban, t'as eu la chance en plus de ça d'avoir été demandé d'arbitrer. Oh boy, la communication est comme. La communication est un petit peu difficile. Tu nous entends bien, Alban? Oui, moi je vous entends très très bien. J'essaie juste de jouer avec le mute pour pas trop entourer les oreilles. Ok. Pas trop fort dans le mute parce qu'il n'y a pas trop de bruit pour le moment. On attend le prochain match. Les casters font tout leur possible pour meubler le possible. Ils sont en train de raconter leurs souvenirs de CS quand ils avaient 16 ans. C'est pour ça que je parle pas. Ok, parle-nous donc peut-être un petit peu là, tu disais là, il y a beaucoup de problèmes techniques en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a beaucoup de sur le chat, les gens, ben pas sur notre chat, mais on s'entend là sur le chat de la Norton Arena, les gens chialent beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en gros là-bas? Alors de ce que je sais, ça a été compliqué comme d'habitude au niveau de l'installation. Ils ont manqué un petit peu de temps pour bien se préparer. Normalement, ils ont dû faire des tests de la connexion internet, des tests d'ordinateur, etc. Toute une batterie test qu'ils n'ont pas eu le temps de faire par peut-être une évaluation, par aussi des divers problèmes techniques qui se sont venus, comme une connexion internet qui a lâché, tout simplement. Une fois de plus, j'ai l'impression qu'il ne peut tout simplement pas se passer un seul événement sans qu'il y ait une connexion internet qui lâche. C'est assez fou. Effectivement. Effectivement. Ils ont enchaîné aujourd'hui, voilà, je suis arrivé sur place, je rencontre les responsables que je connais déjà, puis ils avaient eu un désistement au niveau de donc je suis resté un peu moins là-dessus, donc j'ai pu surveiller un petit gaming qui a sauté et quoi faire. Some of the teams, I mean, a lot of them that are participating right now for Northern Arena, they're
almost brand new teams, les switches here and there, but you won't see them at the level of ESL. Albin, je vais devoir t'arrêter parce que le commentateur en arrière commence à parler comme beaucoup plus fort que toi, puis on t'entend plus du tout. On t'entend presque plus, ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah, beaucoup. Ah oui. Ok, autant pour moi, c'est juste que je. J'étais pas certain que mes écouteurs. Enfin, j'étais pas certain de quel micro était utilisé en fait. Ok, non, là on t'entend beaucoup mieux. Ok, ok. Donc c'est ça, des problèmes de configuration de serveur aussi qui ont vraiment ralenti. Et puis finalement, je suis allé prendre une pause, aller manger, me restaurer un petit peu. Donc là, je suis revenu depuis peu sur l'espace. Et puis je vois que c'est toujours le match suivant sur le siège secondaire, c'est-à-dire optique. Contre TSM. Donc je suis vraiment étonné qu'ils aient toujours pas terminé ce match-là. Ça dit qu'il y a à peu près une heure de retard. Oh, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, là. Eh boy. Mais sinon, si on laisse le négatif de côté, tu nous as envoyé des images tantôt. J'en ai une à l'écran là, qui est splendide, la dernière que tu nous as envoyée, là, avec on voit le casting desk en avant. Absolument. C'est merveilleux. Les installations ont de l'air de haut calibre. Là. Ça a de l'air d'être vraiment top niveau. Là. Ouais, de ce côté-là, comme tu l'as remarqué, c'est vrai que l'espace n'est pas très grand. Du coup, ils n'avaient pas moyen de faire un stage comme un show de musique ou comme tout simplement au DreamHack ou à la NTS. Ouais. Donc ils ont aménagé l'espace comme ils ont pu de manière très intéressante, très sincèrement, avec au centre ce booth des casters qui a trois façades. L'une qui va être dédiée à Hearthstone, l'autre au stage principal donc de CSGO, et l'autre derrière qui est tout simplement le stage secondaire de CSGO. Mmh. Donc c'est très bien pensé, moi je trouve, considérer l'espace qu'ils avaient avec cette espèce de passerelle qu'ils ont construite tout autour des joueurs. C'est très original. Pour mentionner aux gens qui nous écoutent, on parle toujours avec notre collaborateur Albin qui est en direct de la Norton Arena à Toronto. Est-ce que c'était à Toronto qui avait annoncé Clash Royale ou ça c'est à Montréal seulement? Oui, c'est un tournoi de 10 000 $ de Clash Royale dont les qualifications ont eu lieu il y a 3 jours et une semaine avant. Ça se déroulera samedi et dimanche. Okay. Et Hearthstone commence demain. Ok. Sinon, tu nous mentionnais tantôt que tu as été accroché au passage pour être arbitre. Parle-nous donc un peu de ça. C'est quoi ton expérience? Comment t'aimes ça être arbitre? Dans un événement comme ça, c'est ta première expérience en tant qu'arbitre pour commencer? Alors honnêtement oui, j'étais à peine au courant des responsabilités qui incombent à un arbitre. C'est pas grand chose honnêtement, c'est juste la personne qui va rester derrière les joueurs, qui est censée donner son accord pour une demande de pause, qui est censée établir la communication, faire le relais en cas de problème aussi. Okay. Et puis surveiller les joueurs entre guillemets de n'importe quoi qui peut survenir honnêtement. Ok. Donc c'est malheureusement c'est pour Optic Gaming ça a été très long et les joueurs étaient patients mais ils commençaient à en avoir un petit peu assez d'attente. Ça faisait déjà quand je suis arrivé ça faisait un moment qu'ils attendaient le setup et puis ça a été très 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 long à démarrer mais ils ont été patients, ça s'est bien passé, mais j'ai vraiment pas eu grand chose à faire. C'est vraiment par principe qu'il faut qu'il y ait un admin qui soit derrière les joueurs pour contrôler ce qui se passe, quoi. Tu disais que les joueurs ont. C'était fatigant. Ouais, j'imagine. Tu dis que les joueurs ont eu beaucoup de patience, Alban. Est-ce que, de ce que tu entends, par contre, est-ce que les joueurs sont satisfaits quand même de ce qui se passe? Est-ce qu'ils aiment l'ambiance? Est-ce qu'ils aiment. La Norton Arena, est-ce que malgré les problèmes, là, est-ce que c'est quand même positif, là, tu dirais, pour la première journée de jeu? Alors, j'ai pas encore pu discuter avec le moindre joueur parce que j'ai été occupé à ça et puis comme je dis, je viens à peine de revenir sur place. Je franchement pas très bon à ta question. Tout ce que j'ai vu niveau body language et expression des joueurs d'Optic Gaming, je pense que eux ne doivent certainement pas être satisfaits. Avec le match présentement, honnêtement. Ouais. Bah, c'est ça, ouais. En plus, ils sont sur le stage secondaire, donc
C'est la même chose. Après, eux, ils ont la chance d'avoir peut-être... En fait, il faut savoir qu'ils se retrouvent dans le seul groupe à trois équipes, car il y a eu un désistement de dernière minute. Luminosity Gaming, qui pour des problèmes de visa, en fait, deux de leurs joueurs qui ont été retenus à la douane canadienne. Quelle équipe? Luminosity. Luminosity, ok. Oh, en plus, quand même. Un gros nom, là, c'est triste. Bah, c'est pas les grands Luminosity, vu que eux maintenant sont passés chez SK Gaming. Ouais. Mais ça reste une équipe sérieuse. Ouais, ben non, mais c'est ça. Quand même, c'est triste. Et ouais. Donc ça fait un groupe à trois équipes. Ils ont décidé de switcher du coup sur du round robin en best of 2, en BO2. Donc l'un dans l'autre, ils ont un peu plus de chances de se qualifier. Mais ouais, je pense que pour eux, le début de tournoi est pas rigolo. Pour les équipes qui sont sur le stage principal, qui est quand même sympathique, je pense que ça doit être déjà un petit peu mieux, même si pour l'instant il y a eu absolument zéro ambiance dans la salle, parce que bah, déjà c'est le premier problème. T'es dans un contexte de convention où il y a énormément de monde qui rentre et qui sort. C'est un petit peu particulier, et c'est pas avec ça que tu vas construire une hype monstrueuse, mais en plus avec des interruptions aussi longues. Ben, on l'a vu au Comic-Con de Montréal, c'est un peu le même principe, ça rentre, ça sort, les gens restent pas là indéfiniment. C'est pas la même chose. Écoute, bon, mais ben là-dessus, on va te laisser, Alban. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour être avec nous. On a très hâte de te revoir parmi nous. Tu reviens la semaine prochaine? Absolument. Je reviens lundi de mon long périple e-sport, vu que j'étais au LCS la semaine dernière aussi. Yes. Et puis ça, c'était fou. Oui, j'imagine. Justement, on va en parler. Mais écoute, tu fais la transition parfaitement là, pour ma chronique qui s'en vient. Mais on a très hâte de te revoir parmi nous, Alban, puis on a bien hâte d'entendre ton topo jeudi là-dessus. Ça marche. Excellent. Merci, là. Allez, bye, bonne soirée. Bye. Hey, j'aime ça, faire ça. Je me sentais quasiment comme dans un vrai show de radio. Bon! Donc, c'est ce qui conclut un peu notre petit intermède non planifié de... Pour parler de la Norton Arena et des petits problèmes qui se passent, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là-bas. On s'excuse un peu de la qualité du son. Là. Je sais que c'était un peu fort au début. On n'entendait pas Alban, puis après, il y avait beaucoup de sifflements et ces choses-là dans le micro. Mais c'est des choses qui arrivent là, quand on a quelqu'un qui... Il était tout simplement là, à côté du main stage. Vous n'étiez pas capable de le voir, là, mais il était vraiment là, à côté du stage. Fait que c'était quand même difficile de l'entendre. Mais c'est l'heure de passer aux nouvelles de League of Legends. Entrée dans la ligue avec la légende. Here comes the punchline. Max Beaulieu. Nope. Comme Alban l'a dit, la semaine dernière avaient lieu les finales des deux ligues de la LCS, la League of Legends Championship Series. On va commencer par l'Amérique du Nord parce que c'est la scène que j'aime le plus des deux personnellement. Et c'est celle que j'ai regardée toutes les games, sans exception. J'ai été scotché à mon téléviseur toute la fin de semaine. Et ça a été des très, très, très belles parties quand même. Et on a eu une victoire de Immortals face à CLG pour la troisième place. Et une victoire de, malheureusement, TSM face à Cloud9. Pour la première place. Cloud9 avait commencé les finales en force, quand même, avec une victoire très, très, très convaincante. Le match a quand même été long, mais une victoire très convaincante. Mais TSM, comme je l'avais dit, sont beaucoup trop forts en ce moment. Ils sont revenus un clean 3-0 après ça pour gagner. Ça a été assez spectaculaire les voir jouer. Donc, félicitations à TSM qui sont nos North American Summer Split Champions et qui, par le fait même, se qualifient pour les Worlds. Et c'est notre première équipe qualifiée, en fait, pour les Worlds à cause qu'ils sont les champions. C'était la première condition, si on veut, pour se qualifier. C'était le champion des Worlds et qualifié directement pour les Worlds. Ensuite de ça, en Europe,
De ce côté-là, on avait pour le match de 3e et 4e place, Unicorns of Love contre H2K, et H2K l'a gagné avec une victoire avec dans leur Best of 5. Et G2 Esports, eux, ont remporté la finale contre Splice. Splice, fait à mentionner, était dans les équipes les pires classées la saison dernière, et ont réussi à se rendre jusqu'en finale. Quand même, c'est un fait notoire. Là. C'est très, très, très le fun de voir. Là. On a eu Yamato Kanon qui est revenu coach avec cette équipe-là, qui a réussi à faire des gros miracles avec eux autres. Fait que non, une belle série ça aussi quand même. Mais G2 Esports ont encore montré leur domination au niveau européen, malgré le tournoi de misère qu'ils ont eu pendant les MSI. Ils sont revenus en force au niveau du LCS. Comme l'a mentionné notre cher Arctarus dans le chat, il y a une deuxième équipe déjà qualifiée, parce que la première qualification en fait pour les Worlds qui s'en viennent était la première, pas épreuve, mais la première équipe à se qualifier devait remporter les Summer Championship. Ensuite de ça, la deuxième équipe à se qualifier, c'était celle qui allait avoir le plus grand nombre de points parmi les deux splits, parce que à chaque split, il y avait des points qui étaient donnés à toutes les équipes. Donc la deuxième équipe à se qualifier en ce moment est CLG, si je me trompe pas. J'essaie de voir l'info, mais ouais, si je me trompe pas, c'est CLG. Et en Europe, malheureusement, je crois que ça va être H2K qui va se qualifier. J'essaie de voir, là, les tableaux sur Internet sont vraiment mal faits. Mais si je ne me trompe pas, c'est H2K. Et la troisième équipe à se qualifier, eux, vont être capables de le faire par ce qu'on appelle le Gauntlet. Où là, ils appellent ça, cette année, ils appellent ça les Regionals. Ils ont décidé de changer ça de nom parce que j'imagine que Gauntlet, ils n'aimaient pas ça. Mais c'est le style, en fait, de compétition qui s'en vient. Et de la façon que ça fonctionne, c'est les équipes restantes vont se prendre en chaîne et l'équipe qui va réussir à se rendre jusqu'au bout va être qualifiée. Donc, Immortals qui a réussi à terminer la saison dans les gros rangs, étant premier, était classé, vont être finalement dans les finales du Gauntlet. Je m'excuse, je cherche mes mots. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique. Je suis comme tout excité. Ensuite de ça, Cloud9 va être dans le round 2 et le round 1 commence par Liquid contre Envy. Donc, pour faire une histoire courte, le gagnant de Liquid contre Envy va ensuite de ça devoir se reprendre pendant le round 2 contre Cloud9 et le gagnant de ce round-là va se prendre contre Immortals le lendemain et le gagnant de ce round-là est la troisième équipe qui va se qualifier pour les Worlds. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça commence le 3 septembre. Ça commence ce week-end. Donc, c'est samedi, dimanche et lundi. Donc, samedi à 3h. Ne manquez pas ça. Liquid contre Envy. Ensuite de ça, le gagnant de ce match-là contre Cloud9 et le gagnant de ce match-là contre Immortals le 5 septembre. Sinon, du côté européen, on a Unicorns of Love contre Giants Gaming. Les mêmes dates, d'ailleurs, le 3, le 4 et le 5. Donc, Unicorns of Love contre Giants Gaming. Le gagnant de ce match-là va se prendre contre Fnatic. Et le gagnant de ce match-là va se prendre contre Splice pour se qualifier pour les Worlds. L'année passée, faut le dire, là, il peut avoir d'énormes surprises. Parce que l'année passée, Cloud9 n'était pas classé pour les Worlds, avait eu une saison de misère, un split de misère, se sont rendus dans le Gauntlet et ont fait dans le Gauntlet pour se qualifier dans pour les Worlds, attachez votre tuque avec de la broche, sont revenus trois fois plutôt qu'une des reverse sweeps. Ils perdaient 2-0 et ont gagné 3-2 les trois Gauntlet, les trois étapes du Gauntlet pour se qualifier, ce qui était quand même assez stressant pour le fan que je suis. Je regardais ça, soit sa tablette ou l'écran, whatever, puis à chaque fois que c'est 2-0, j'étais comme maudite équipe de merde cette année,
Caline, de... m'a fermé ça, puis je revenais finalement comme une heure plus tard ou deux heures plus tard, puis c'était rendu 2-2. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que non, les gauntlets, c'est quand même intéressant, c'est nouveau, ça fait pas très longtemps qu'ils font ça, et c'est super intéressant à regarder. J'essaie d'aller vite parce que je veux terminer bientôt. Je m'excuse, je garoche l'information, mais j'essaie que ça dure plus 2 heures le show, parce que 2 heures c'est long. Mais c'est un peu ce qui est ça pour League of Legends, mais je voulais prendre mon temps pour parler d'un jeu qu'on ne parle pas beaucoup de la scène compétitive en fait, et c'est Overwatch, parce que s'en vient bientôt la Overwatch World Cup qui va avoir lieu à BlizzCon, ben, durant BlizzCon, qui met en vedette des équipes d'un peu partout au monde. Et ces équipes-là avaient la chance d'être votées pour certains joueurs par le public. Et pour Team Canada, on a la chance d'avoir un Québécois qui a été sélectionné pour représenter le Canada dans cette équipe-là. Un membre de Earthroot Gaming du nom de Wiz, qu'on va essayer d'avoir dans le show, qui était le support de l'équipe de Earthroot Gaming qui ont participé au LAN ETS, mais à la Comic Cup du Comic Con de Montréal. Et à la DreamHack, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est le fun, parce qu'on a enfin un Québécois qui va être capable de nous représenter dans ce merveilleux jeu qui est Overwatch. Et les équipes qui vont être là sont les États-Unis, Team Canada, Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou. Donc, ratez pas ça, ça va avoir lieu pendant la BlizzCon. Nous, de notre côté, je sais pas si la gang d'Earthroot Gaming est encore là, s'ils nous écoutent encore en ce moment, mais on va essayer d'avoir Wiz avec nous avant la BlizzCon pour être capable de voir un peu comment il se sent de pouvoir aller représenter son pays dans un jeu qui est quand même encore assez jeune et dans un événement qui est quand même assez... gros merci dans le monde du jeu vidéo et surtout dans le monde des jeux de Blizzard, qui est la BlizzCon. Vous autres, les gars, vous vous sentirez comment? Si cette chance-là vous était offerte de représenter votre pays pendant la BlizzCon? Moi, je dirais RIP Canada. Premièrement, ce serait vraiment pas une bonne idée. Je veux dire, c'est ça qui arrive, tu sais que t'es pas à hauteur pour représenter le pays, t'es comme c'est pas que je veux pas là. Mais c'est pas que je veux pas, mais non, je m'excuse, je serais pas capable. T'es sûr que c'est vraiment moi le meilleur pour représenter le Canada? Parce que si oui, on est dans la merde. Non, mais pour toi Terran, serais-tu content? Je serais content, mais tout en premier lieu, ce serait vraiment la nervosité qui embarquerait immédiatement de préparer à bien faire, parce que c'est pas quelque chose de petit. C'est pas petit, là. Représenter l'équipe Canada... Non. Surtout... Tu peux être en équipe, tu peux être dans ton équipe à toi, monter une équipe, ok, c'est beau, tu tentes des compétitions, dans des... mais là, équipe Canada, écoute, c'est autre chose. Moi, je trouve que c'est une méchante coche au-dessus. Effectivement, mais ça, c'est pas tout. Parce que là, ça, c'était juste les équipes pour l'Amérique du Nord. On a des équipes qui vont représenter l'Europe. La Suède, l'Allemagne, la France, l'Autriche, les Baltiques, Benelux. My God, ma géographie fait dur. Cadium! Pardon? Benelux! Oui! C'est où, ça? Je suis absolument pas en train de googler sans regarder. Benelux, c'est un restaurant sur la rue Wellington. Ok, merci. Team Bulgarie, Croatie, la République Tchèque, le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. En voulez-vous des équipes? C'était excellent, Kadiam. Oui, c'était excellent. J'ai ta réponse en passant. Le Benelux, c'est une union entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ah ben oui, Belgium, ouais. Netherlands, Luxembourg. Ouais. Merci, Kadiam. Un plaisir. Et pour finir, les dernières équipes
qui représentent le reste du ben le à participer. La Chine, la Corée du Sud, la Taïwan, le Japon, l'Indonésie, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines, Singapour, Thaïlande, le Vietnam et l'Australie. Et la Nouvelle-Zélande. C'est son ensemble. My God! Ça en fait des équipes. J'ai hâte de voir le format qu'ils vont faire. J'ai hâte d'avoir un peu plus de nouvelles là-dessus. Mais en browsant, j'ai trouvé de quoi de très, très drôle quand même. Et le capitaine de l'équipe Benelux s'appelle Arambe. Non. Non. Je te jure. Écoute. Je suis comme triste de pas voir Winston dans ses champions les plus joués. Ce serait très weird. Go l'équipe Benelux. For Arambe. May his name never be forgotten. Hey, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, là, mais... Wow. Mais c'est ça. Beaucoup de gros noms, quand même. Là, je sais que je troll pas mal, là, mais je regarde, mettons, aux États-Unis, t'as Seagull, t'as Tailspin. Pour Team Canada, t'as Surfer, qui est quand même dans les gros joueurs. Hawk est présent pour Team Canada. Je vois la... Je suis pas surpris. Donc, Hawk va être là et c'est même un des choix du capitaine. Ouais. C'est le fun. C'est un ancien joueur de StarCraft, pour ceux qui ne le connaissent pas. On pourrait le considérer comme encore un joueur de StarCraft. C'est juste qu'il se diversifie. Contrairement à un autre joueur comme Deathrow qui a carrément tracé la ligne et qui n'est plus un joueur de StarCraft. Non, effectivement, Deathrow qui lui a décidé que je ne joue plus à StarCraft et j'essaie de faire le switch vers Overwatch. Donc, je joue souvent avec Hawk d'ailleurs. Oui, je joue beaucoup avec Hawk. Je regarde son stream de temps en temps, puis non, c'est quand même bien. Mais c'est un peu tout ce qui conclut ma chronique pour aujourd'hui. Je m'excuse, l'information a été garochée, mais je vais vous mettre, parce que si je passais toutes les équipes une après l'autre, je pense que je pourrais faire un show de 3 heures juste avec ça. Je vous mets dans le chat le lien pour aller voir là, toutes les équipes et les compositions d'équipes qui sont là. Mais dès qu'on va avoir plus de nouvelles sur ça, on va vous en donner. Mais faut noter que ça commence en septembre et ces équipes-là vont faire partie de online qualifiers qui seront des best of three. Donc, et jusqu'à temps que ça se rende jusqu'à la BlizzCon en novembre. Donc, messieurs, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Il était temps, tabarnache. Comment qu'on peut nous contacter, les sportifs du clavier, sur le monde de les internets, mon cher Terran? Ben, si vous aimez ça et mettre des commentaires en moins de 140 caractères, et surtout en lire, ben, suivez-nous sur Twitter, @LSDCpodcast. Merci. Yes, ben, sinon, vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook Sportif du clavier, où on met toujours des informations concernant justement la scène e-sport. Allez, dropper un like. Si jamais vos oreilles saignent pendant le podcast, moi je vous conseille fortement d'aller vous abonner sur YouTube.com/ les sportifs du clavier podcast. Comme ça, vous pouvez réécouter les reprises de l'émission puis avancer à chaque fois que Max parle. D'ailleurs, maintenant que je t'ai envoyé chier, notre vidéo va être flaguée puis on pourra plus avoir de monétisation sur notre vidéo. Merci aux nouvelles règles de YouTube. Yes. Et puis, si vous n'avez pas entendu ce que les gars viennent de dire, vous pouvez voir les liens juste ici. J'essaie de pointer du doigt et on voit que ma technique n'est pas très bonne. Toutes les adresses sont écrites là dans un font qui est carrément pas lisible. Donc, on vous invite à aller nous suivre sur ces différents réseaux sociaux-là. Si vous aimez ce qu'on fait... On fait le lendemain en fin de show. Si vous aimez ce qu'on fait, il est possible de nous supporter sur Patreon. Tu dis qu'il y a une demi-heure de trop, là, je pense qu'elle est là. Hey, on a eu du plaisir. Les gens dans le chat ont ri avec nous autres. Oh my god. Si vous aimez ce qu'on fait, il est possible de nous supporter aussi sur Patreon, qui est une plateforme de financement. Où vous pouvez nous donner un petit peu de sous pour nous aider à nous acheter du meilleur équipement, ces choses-là.
Et nous, en retour, on vous donne des jeux, on vous donne des petites affiches, des chandails, plein d'affaires de même, vraiment le fun. Donc, vous pouvez faire comme Monsieur Nightzerker, la semaine dernière, qui a décidé de venir nous rejoindre sur Patreon. Donc, Nightzerker, on te remercie énormément de ton support. Ça nous fait très, très, très plaisir de te compter parmi les entraîneurs des sportifs du clavier. Rien de moins. Rien de moins. Alright. Terran, en conclusion? Ben écoute, en conclusion, je te dirais, je me suis fait une petite affiche aujourd'hui. Oh boy. Je sais qu'on a parlé au début que je faisais beaucoup de speedrun sur tous les Little Mermaid. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés, intéressez-vous au speedrun, c'est toujours une belle catégorie, c'est toujours de quoi d'agréable à regarder. Mais si jamais vous avez envie de faire du speedrun de la petite sirène sur NES, alors j'ai peur, participer au leaderboard, n'oubliez pas, faites-vous le même tag que je viens de faire. Hashtag, on le voudrait peut-être pas parce qu'il est à l'envers, là. J'aurais dû l'écrire à l'envers. Oh là, my god, non, on le voit bien. On le voit bien. Ouais. Hashtag, ouais, ouais. Je suis sub Max Beaulieu. Donc, si jamais vous faites du speedrun et que vous battez Max Beaulieu, mettez ça à la fin de votre run. Moi, je vous conseille ça va être la meilleure chose au monde. Là, la meilleure affaire que Max va pouvoir faire pour troller tout le monde, c'est aller battre son PB. Puis faire en sorte que tout le monde est menteur parce que là il n'y a plus personne qui va le battre. Ah, c'est Max, excellent. Max, c'est la table est mise pour un troll de qualité. Wow. Je vous déteste tous les uns que les autres. Ah, j'avais pas de commentaire à la fin d'humoristique, je me suis dit m'a fait une petite tank. Ah non, mais changer, m'a fait différent. Oh boy. Cook. Écoute que. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus à cette fin tant excellente, là? Bonne fin de semaine. Merci à tous. Kadiom, toi, as-tu quelque chose que... Oh non, moi, garde. Hashtag, je suis sub, Max Beaulieu. Je m'en vais me chercher un émulateur d'être là, même. C'était Max Beaulieu, accompagné de Terran, Kadiom et Cook pour les sportifs du clavier. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont followés ce soir et n'oubliez pas notre party d'anniversaire le 22 septembre au Meltdown de Montréal. Ciao!